la chair de poule avec en plus l'alarme forcément de George North. C'était un grand moment pour ce joueur au 122 sélection. Voilà, on est en train d'organiser un petit peu la composition des équipes avec, vous le voyez, du côté gallois, deux changements devant par rapport à la France, avec Daffy Jenkins qui rebascule en deuxième ligne, du coup le retour d'Alex Mann en troisième ligne, et puis le pilier Dylan Lewis qui sera à droite de la mêlée galloise pour la ligne de trois quarts. Donc le retour de George North pour son dernier match associé à Tompkins, 160 sélections à tous les deux. Puis à l'arrière, Winnett, il a plus de matchs internationaux que de matchs avec sa province, le jeune arrière du Pays de Galles. Voilà pour cette équipe galloise. Côté italien, eh bien, c'est une équipe notamment au niveau du paquet d'avant où il y a 7 joueurs de Trévise. Seul le pilier gauche Fischetti évolue à Parme aux Zèbres. Pour le reste, eh bien, c'est une équipe forcément qui a beaucoup d'automatisme au niveau de son paquet d'avant. Et puis derrière, côté italien, la titularisation de Varnet à la mêlée, et puis malheureusement Ange Capozzo qui s'est blessé. Oui, fracture du doigt au niveau de la main gauche, majeur de la main gauche, donc il sera indisponible pendant un certain nombre de semaines. Alors les remplaçants, justement, ça peut être un moment charnière du match. En tout cas, il y a des équilibres. Oui, c'est-à-dire qu'on a une première ligne de remplaçants côté gallois qui est totalement inexpérimentée, avec un maximum de 2 sélections, alors que du côté italien, il y a un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de vécu. Et on sait, comme je le disais, que bien, lorsqu'on regarde les derniers matchs du tournoi, clairement, Warren Gatland a l'habitude de coacher à la 55e minute avec énormément de changements. Et c'est à partir de là que les matchs sont souvent basculés en la défaveur du Pays de Galles, alors qu'il maîtrisait. Il y a eu ce premier match où par contre les Gallois sont remontés et on a pu croire que c'était le banc qui avait fait la différence. C'était pas forcément les mêmes joueurs, et puis ils avaient quand même joué 20 minutes en supériorité numérique, les Gallois, contre l'Écosse. Côté d'Ivitali par contre, au moment des changements, eh bien, le banc a systématiquement apporté une plus-value, soit en s'imposant contre l'Écosse, soit en tenant la dragée haute à l'Angleterre, soit en maîtrisant l'équipe de France. Donc on va attendre un petit peu ce moment charnière, et les Gallois savent qu'ils ont perdu automatiquement une obligation de résultat avant que le banc ne rentre. Alors l'arbitre français, c'est Mathieu Reynal, et cela pourrait être son dernier match du tournoi Destination, puisqu'il pourrait être appelé à d'autres fonctions dans l'organisation de l'arbitrage français. Voilà Mathieu Reynal qui donne le coup d'envoi de ce match à gros enjeux pour les deux équipes. Première réception, elle est pour le capitaine Michele Lamaro qui va à la percussion dans les 22 mètres italiens. On va a priori tranquillement et bien dégagé en touche par l'intermédiaire de Varnet, lui qui est né et qui a été élevé au Pays de Galles, même s'il porte les couleurs de Gloucester en Angleterre. Réception de Winnett au niveau de la ligne médiane. Oui, on est monté rapidement côté italien, on s'est bien réorganisé pour supporter cette première charge de Wainwright. Thomas Williams à la manœuvre, le jeu est arrêté, on va passer forcément par Dupuis avec Costello. Loin devant, réception de Pagny, donc titularisé à la place d'Ange Capozzo. Stop. Il joue arrière, il peut jouer ailier. On a pas mal de solutions dans une trois quarts transalpine. Le jeu au pied profond de Winnett. Stop. Récupération. Voilà, tranquille, on va assurer la touche. Joanne qui s'appuie sur Garbici, qui a un meilleur jeu au pied que lui, qui trouve une superbe touche. Est-ce qu'on va la jouer rapidement? Oui, c'est fait du côté de Thomas Williams pour Costello qui monte une chandelle. Peu de pression dessous, Johanné aura le temps de récupérer le ballon. Johanné qui a éliminé son adversaire. Attention, il a peut-être des solutions avec maintenant Garbizi qui a essayé de jouer au pied, mais qui a été attrapé par le bout de la chaussure. Ah, ça sauve les Gallois parce que l'action était dangereuse. La première différence, elle a été faite par Monty Johanné, joueur d'origine australienne. Et dommage pour Garbizi au moment où il va jouer au pied pour lui-même. Il y a un joueur gallois qui le retient. Ouais, surtout, ils ont trouvé des solutions. Hein, avec Johanné à la récupération, on est monté totalement esselé de la part de Costello. Le break était là, derrière Garbizi qui ne voit pas forcément le retour du capitaine Jenkins et qui se fait prendre au dernier moment alors qu'il voulait pousser ce ballon au pied. Allez, c'est reparti pour les Gallois. Tompkins au milieu du terrain avec George North, on est venu défier la défense italienne. On attend ce ballon maintenant avec Thomas Williams. Ça a du mal à sortir, il va falloir tout reconstruire au côté gallois. À la percussion, c'est Gareth Thomas, le pied gauche, qui est bien pris par la défense, notamment Fischetti, Nico Terra. On a sur le terrain les deux équipes qui ont le temps le plus long de libération sur les phases de contact, sur les phases de ruck. Et souvent ça repart par du jeu au pied, comme c'est le cas actuellement avec la chandelle de Thomas Williams. C'est une bonne récupération d'ailleurs dessous. Ouais, ça va pouvoir rejouer derrière, c'est sorti assez vite. Hein. On va pouvoir écarter maintenant avec le pilier droit. Il est bien pris
Lewis par la défense italienne. Costello, Tompkins, North, grave de sauter. Pour Josh Adams qui fait un prochain tailleur, qui est repris. La défense italienne est en place. On va jouer maintenant avec Alex Mann, le troisième ligne, qui vient défier. À nouveau en défense, c'est Michele Lamaro, meilleur plaqueur du tournoi. Bonne passe de Wainwright, mais il y a la par Mathieu Rédal. Ouais, première animation offensive qui a duré un peu plus que ce qui avait été précédemment, puisqu'on avait eu dans un premier temps beaucoup d'échanges de jeux au pied entre les deux équipes, mais une animation offensive qui a très peu déstabilisé la défense italienne, vraiment en place, qui ne vient pas se consommer sur les points de rencontre, qui réalimente tranquillement. On est allé chercher rapidement l'extérieur, mais sans réellement d'avancée côté gallois, et on a été bloqué. Première mêlée, importante aussi, puisque la mêlée galloise est la mêlée qui gagne le moins de ballons sur son introduction. Simplement, 64% de ses introductions sont des mêlées gagnées. On sait que c'est une phase de jeu en difficulté pour l'instant pour le pays de Galles, surtout que là, eh bien, ça va être une première mêlée en faveur de l'Italie qui, elle, en fait quand même un de ses points forts. Ouais, c'est une bonne mêlée au centre du terrain avec beaucoup d'opportunités pour les attaquants italiens. On a Brex d'un côté, Garbisi côté droit. On va jouer avec Brex, l'Italo-Argentin. Ah, c'est bien fait, ça relaie avec Varnet. Allez, maintenant avec Lainag qui va défier, qui rentre dans le camp gallois, ça va sortir vite. Bonne défense de la part, bonne anticipation en tout cas, notamment de la part de Greffel. Un véritable poison sur le rug. Greffel qui a sauvé un petit peu le camp gallois. Meilleur gratteur de la compétition, le troisième miel de Leicester en Angleterre. Et là, il a été déterminant parce que si le ballon sort vite, c'était intéressant. Ouais, bon lancement de la part des Italiens, rien à dire de ce côté-là. Une bonne intervention du troisième ligne gallois de Cardiff, Greffel, qui vient plonger près du ballon qui sort près du ruck. On a laissé jouer car dans le rapport de force, eh bien, il n'y avait pas forcément de présence italienne pour contester cette récupération. Mais là, bonne pression par contre en dessous sur ce jeu au pied qui maintient les Gallois dans leur camp. Bonne anticipation, pénalité, ballon gardé au sol. C'était Fischetti qui est venu contester côté italien. Beaucoup de présence également chez le pilier gauche des Zèbres de Parme. Et là, Mathieu Rénal n'a pas hésité. Pénalité face au poteau. A priori, il devrait prendre les points. On voit l'intervention du Fischetti. Hein. Il est bien sur ses appuis. Ouais, exactement. Il arrive premier sur la zone, reste sur ses appuis, mais de suite les mains sur le ballon, gardé au sol par le demi de mêlée Thomas Williams. Et c'est une première opportunité offerte à Garbisi pour ouvrir le score. Avec cette pénalité, des Italiens pragmatiques sur leur premier ballon. Un break trouvé par Ioane, une bonne avancée, un bon lancement de jeu sur le côté fermé de la mêlée, et là sur un ballon de nouveau rendu au pied par les Gallois, une chandelle très propre sur laquelle les Italiens sont au point de chute pour mettre la pression sur le demi-mêlée gallois et offrir cette première tentative de pénalité à son ouvreur. On rappelle qu'en cas de victoire, les Italiens réaliseraient leur meilleure performance depuis leur entrée dans le tournoi en 2000. Est-ce qu'il va donner le ton? Garbisi, c'est fait sans problème. Ouverture du score pour la Squadra Azzurra ici à Cardiff. 3-0, pénalité de Garbisi. Les Italiens sont en place. Alors qu'on revoit ce lancement avec très bien fixé de la part de Brex qui joue dans le dos. Ce petit ballon relevé pour son demi de mêlée. Effort de Lainag pour rester dans le terrain. Et là, on va voir ensuite l'intervention de Greffel. Allez, bonne réception de la part de Ruzza. Nicolo Ruzza, deuxième ligne essentielle de cette équipe italienne. Federico Ruzza, Nicolo, c'est canonné. Stop. Varnet. Use it nine. Comme sur le coup d'envoi, on va pouvoir jouer au pied. Plus haut cette fois-ci. Ouais. Plus facile pour être à la récupération par Lainag, même s'il y a un bon écran sans faute pour autant de la part de North pour bloquer la montée des Italiens, et on renvoie de nouveau Wainwright pour un premier contact et un premier point de fixation. Avec Costello à sa troisième ligne, Greffel qui avance, c'est équipé par Nicolo Canone. On ne joue plus le ballon. Petit coup de pied, c'est pas mal fait ça. Bien vu, le rebond n'est pas favorable. Dommage pour les Gallois. Est-ce qu'il y a l'avant en second temps? Il y en a un avantage à l'eau pour les Italiens qui ont le temps de se reconstituer. Soit tenter quelque chose, soit remettre de la pression par du pied. On va d'abord, dans un premier temps, aller jouer dans le côté fermé avec la percussion de Negri. Ouais, Negri qui vient souvent être le premier attaquant, proche de recouvrant, proche des rucks. Pour remettre de l'avancée, et là on va remettre de l'avancée au pied par l'intermédiaire de Varnet. Bonne réception de la part de Winnet qui est bien chassé par Ioane. À nouveau, bonne pression italienne avec toujours Lamaro et Fischetti.
les premiers sur les points chauds. Ouais, c'est sur ces ballons-là et que les Gallois auraient pu aller chercher plus rapidement les extérieurs. Là, ils y vont dans un deuxième temps. Mais pour autant, la défense s'est replacée. Il n'y a plus de surnombre. Ah, d'ailleurs, attention, il peut être dangereux. Couché intérieur, il est bien repris. Allez, pénalité. Pénalité pour les Gallois. Bonne opération sur ces ballons récupérés sous le jeu au pied de Varnet. Ouais, on va pouvoir s'installer un petit peu dans le camp italien. Ça n'a pas été le cas depuis le début. Non, non, pas le cas. Alors, quel va être le choix? Une tentative de but lointaine ou plutôt aller chercher la touche? Pour l'instant, ça discute beaucoup autour du choix que va faire le capitaine qui prend les informations auprès de ses leaders. On attend l'arrivée de Costello. Ça va être sûrement pour taper en touche. Ouais. Mais suite à, consécutivement à cette pénétration de Dyer et Linax en vis-à-vis qui le plaque mais qui ne sort pas suffisamment rapidement de la zone plaqueur plaqué. Premier lancé. Lorraine Gatland soucieux forcément. On a bien lancé cette première mi-temps. Bonne prise de balle de la part de Bird. On va jouer Thomas Williams, l'animation au centre et Tompkins qui percute, qui avance, solide le centre gallois. Dyer qui ramasse. Ouais, ballon contesté, récupéré par les Italiens, me semble-t-il. Ouais. Sur un bon contest, une nouvelle fois, de la première ligne italienne. Me semble avoir vu le talonneur récupérer ce ballon. Allez, il faut sortir. Ouais, on la joue. Il y a de l'ambition côté italien. On vient chercher les extérieurs avec Ioane. Ouais, contré. C'est bien, ils récupèrent la touche, les Italiens. Ils se sont posé la question de jouer ce coup dans les 22 mètres. Et effectivement, ils sont présents sur le combat au sol depuis les murs. Vous parliez de la première ligne, on va revoir cette action avec cette avancée de Dyer. Et là, c'est Nico Terra. Ouais, on voit parfaitement là aussi sur ses appuis, qui contrôle le poids de son corps, qui met les mains de suite sur le ballon et qui le ramène dans son camp. C'est propre, bien fait. Et ça permet aux Italiens de se sortir de la première offensive dans leurs 22 mètres de la part des Gallois. Une touche, on a choisi le classique, c'est-à-dire jouer pour Ruzza, le deuxième ligne, meilleur preneur de balle de la compétition. Il est quasiment l'unique presque preneur de balle de l'équipe d'Italie, même si de temps en temps on vient de trouver canonné, mais Nicolo, là, déséquilibré. Pas de faute pour du côté de Josh Adams. Allez, c'est là qu'il faut aller peut-être chercher un peu plus rapidement les extérieurs côté gallois, mais on revient impacter le premier rideau italien. Ouais, les Italiens sont à nouveau en place. Allez, Costello qui tape loin devant, dans l'axe. Pagny récupère ce ballon, attention, il a failli se déséquilibrer, mais va vite. Pagny, est-ce qu'il va s'en sortir? Ah, il a l'ambition en tout cas, il franchit et il va là. C'était pas son intention de base, mais finalement, il a fini en touche. L'arrière ailier italien, très jeune, la ligne de trois quarts de la squadra Azzurra, mis à part Brex, tout le reste, c'est un jeune joueur. Linac, Pagny, Meloncello, Garbisi, Viarnet, entre 21 et 23 ans, c'est tout l'avenir du rugby italien. Devant un peu plus expérimenté, mais derrière, effectivement, beaucoup de jeunes joueurs. Allez, au lancer, c'est Ilotti. Sans problème pour Burn, qui fait une moisson pour l'instant depuis le début de la rencontre. William, c'est bien fait. D'ailleurs, elle a été bien attendue, par contre. Ouais, vraiment très bien lu de la part de la défense italienne et un gros plaquage de Garbisi. On y repart avec Elodie, essayer de mettre un petit peu de percussion. Le capitaine Dafidjin qui fait l'avancement en recul du côté gallois. Là, ils sont en place. Ils sont en place défensivement les Italiens. Alex Mann pour les Gallois. Nice. Simplement deux Italiens sur le regroupement. Tout le monde est en place sinon derrière. Et beaucoup de jeux directs autour de Costello, autour de Williams. Ça va être un contre. Il y a Lamaro qui va être à la poursuite. Mais c'est George North qui récupère ce ballon au sol. Oui, mais Lamaro est intelligemment. Vous avez vu les Italiens, c'est la grosse différence aussi par rapport à il y a quelques années. Il y a quelques années, on aurait vu des joueurs italiens venir complètement plonger sur le joueur au sol. Là, par contre, eh bien, ils maîtrisent vraiment leur comportement. Ils ont ralenti sur le moment de venir tenir le joueur gallois et on voit Georges North n'a pas le temps de se relever et là aussi bien Lamaro que le second de ligne canonné pardon, et bien ils viennent tranquillement mettre les mains, bloquer le ballon, montrer qu'ils veulent le récupérer en tirant vers eux le joueur qui est au sol et c'est une nouvelle opportunité offerte à l'Italie pour aggraver le score
Mais ces Italiens, c'est ce qui a changé dans leur équipe italienne. Ouais, ça fait une grosse différence. Et les Gallois vont devoir trouver autre chose, parce que n'oublions pas non plus quand même que sur le terrain, eh bien, sur ce match, on a pratiquement les 5 meilleurs plaqueurs du tournoi. Côté italien, il y a Lamaro qui fait vraiment un sans faute avec 82 plaquages depuis le début du tournoi. Et aussi les deux systèmes de ligne, Canone et Ruzza, qui sont parfaits comme l'est actuellement Garbisi au niveau du but. Exactement, 100% pour Paolo Garbisi, et parfaite entame de la part de cette équipe d'Italie avec beaucoup de maturité, beaucoup d'organisation chez ces Italiens dans un match à l'extérieur. Pour l'instant, ils font le premier quart d'heure idéal pour se mettre en confiance et faire douter un peu plus, malheureusement, cette équipe galloise. À la réception, Lamaro, le capitaine. Mais à Rome, on a contesté. Là, par contre, bien, ce sont les Gallois qui ont gagné ce contest, ce ruck. Ça va leur redonner un petit peu de l'air. Hein. C'est Lewis, le pilier, qui est félicité par ses partenaires. Les soutiens de Lamaro ont été vraiment trop attentistes. Ils ont, on peut presque compter 3 secondes avant que le premier soutien italien arrive au contact, et ça ne peut pas portonner. Alors par contre, attention, arbitrage vidéo, on va regarder le contact au niveau du plaquage. You send me penalty against. Okay, there is an obstruction on the support of Italy, right? Okay, captain. Donc on voit que le. Ouais, on va laisser Mathieu Reynal expliquer. There is an obstruction by red 11 on the first support of Italian player. Reason why you can jackal the ball. So I will reverse the PK, penalty kick against you. C'est pour ça qu'il n'y avait pas tout. Exactement. D'où l'explication effectivement du retard du soutien italien, puisque d'ailleurs avait été coupable d'un. Voilà, vous le voyez, le coup d'épaule qui vient de mettre au joueur italien qui était le premier. Voilà, coup d'épaule qui vient bousculer Negri et qui l'empêche d'être premier soutien de son capitaine et faciliter ainsi la sortie de balle pour les Italiens. Alors ça tousse un peu dans les entrailles du Principality Stadium, mais c'est parfaitement bien vu par le corps arbitral. C'est Joy Neuville qui est arbitre vidéo aujourd'hui et qui a appelé Mathieu Reynal. Parfaite synchronisation du corps arbitral. Aujourd'hui c'est très international. Mathieu Reynal, arbitre central, on a un sud-africain et un Irlandais en juge de touche, plus Joy Neville, l'Irlandaise. Là, c'est Meloncello qui va percuter au milieu de terrain, qui crée un point de fixation. On écarte sur l'extérieur. Brex est bien fait encore avec Lainag. Lainag est venu de son aile, créer du danger. Il est bien pris par Norse. Il y a un bon contest là par contre des Gallois, avec notamment Riffel qui s'y mêle, mais Lamaro vient prêter soutien. Et ça conteste très bien. Voilà, bien joué de la part des Gallois. Beaucoup de motivation, on le voit là, de la part notamment du pilier Gareth Thomas. C'est le totaleur, pardon, il a dit. Ouais, on va revoir. C'est le départ de Lamaro, même s'il était difficile de faire autre chose, qui le met un petit peu en difficulté, bien pressé par les Gallois, et qui tombe ensuite dans les bras du talonneur du pays de Galles. Dit, il regagne des ballons sur le ça sort pas, ça sort pas, ça sort pas. Grosse erreur. Panique un petit peu dévissée. Ouais, avec un angle fermé. Elle n'était pas simple. Il a préféré prendre lui-même le jeu au pied, alors que Garbisi l'appelait parce qu'il y avait vraiment une possibilité de passe et de venir jouer dans des espaces libres. Mais il a préféré assurer la touche, le jeune arrière italien. Et on voit une nouvelle erreur un petit peu du numéro 10, Costello, qui ne trouve pas la touche, même s'il récupère au final un lancé pour son équipe dans les 40 mètres de l'équipe d'Italie. Ouais, il a pas mal d'options. Touché du côté gallois, on disait Bird, Jenkins également, Renwright également, qui est un des principaux preneurs de touche du côté britannique. Et ce ballon perdu, attention, c'est à l'avant, il peut être récupéré. Ah, dommage pour les Italiens que le jeu n'a pas pu rebondir. Il avait essayé Nico Terra. Mais là, c'est fébrile côté gallois. La passe n'est pas terrible, elle est un petit peu basse. Le toit est fermé, mais le terrain a été arrosé. Alors ça peut expliquer aussi peut-être certaines fautes de main depuis le début. Et on voit que le ballon est quand même aussi un petit peu terreux. On espère que ça ne va pas nuire à la qualité du jeu. Allez, le temps qui s'est aimé, on va pouvoir vous permettre de jouer à notre grand jeu ce soir à l'occasion du match France-Italie. On connaîtra le vainqueur. 50 000 euros sont en jeu, pas moins. Tentez de la rapporter, il suffit donc de jouer. Il suffit de l'envoyer par SMS le mot-clé rugby au 7-3003. Ou sinon, vous appelez le 34-35. Notre grand jeu, bonne chance à vous. Et bonne chance aux Italiens sur cette mêlée, cette introduction pour Varney. C'est stable pour l'instant côté transalpin. Et ça part sur le côté gauche et il récupère une pénalité.
c'est le droitier. Tight end on the ground. Le droitier gallois Lewis qui est accusé d'avoir effacé son épaule et avec sa liaison amené son vis-à-vis au sol. Et la combinaison est annoncée par Garbici derrière. Maintenant il faut juste qu'il assure sa touche. Un petit peu courte. Il a assuré, on dira, mais il n'a pas pris, il a pris la mission. Elle sort et ce sera un lancé pour l'Italie. De temps en temps, on demande ça, l'essentiel. Trouver la touche. Et avoir un lancé à suivre pour Nico Terra. Nico Terra, Ruzza, la combinaison classique italienne. Percussion, c'est bien fait pour Menocello qui trouve de l'avancée. Ballon bien varné. Varné, percussion pour Negri. Et on renverse côté italien avec Brex, c'est bien fait encore. Garbisi, c'est donné son ballon pour Menocello. Menocello, il est passé, il va trouver maintenant Ioane. Ioane pour Ruzza. Ruzza qui reprend l'intérieur à maintenant 10 mètres de l'embut de Gallo. Il faut que ça sorte vite. Côté, on repart sur le côté Fabien. Pénalité à suivre pour les Italiens. Voilà, ils sont le jouer jusqu'au bout. Ils sont tous à la faute, ça sortira pas. Si, ça y est, ils ont lâché le ballon, mais ils ont réussi quand même à retarder la libération de balle de la part de l'Italie. Costello revient mettre les mains. Allez, si ça joue par contre sur le côté droit. Ruzza qui ramasse ses canonnés. Nicolo Canone, il a simplement un petit mètre de l'embut gallois. Allez, l'option a changé. Il faut maintenant qu'il reste patient et qu'il vienne attaquer la ligne d'essai près du ruck. Lamar repris de suite. Il n'a pas pu avancer. On ramasse à nouveau. Ferrari, il manque de soutien. Il faut sortir ce ballon vite. Sur les extérieurs, il y a des possibilités pour les Italiens. On a toujours l'avantage, on le rappelle. Le public de Cardiff qui pousse derrière son équipe, qui est en difficulté avec Brex à nouveau. Il y a un surnom peut-être à jouer. Essai. Magnifique essai de Montiglione. Parfaite construction des Italiens qui ont su se montrer patients. Oui, les Italiens qui jouent beaucoup en attirant avec une paire de centres qui s'entend très bien, qui jouent ensemble à Trévise, que ce soit Brex ou Menoncello, qui arrivent à perturber gravement pourtant des centres face à eux expérimentés comme Tompkins ou North. Et on les a vus alterner avec parfois jouer dans le dos, parfois jouer main-main, ce qui amène à cette défense galloise à être un peu sur le reculoir, à tourner ses épaules. Et du coup, trouver vraiment des espaces, on le revoit cette fois-ci, c'est pour Garbici. Et l'adaptation de Menoncello qui vient vraiment changer de course, attaquer l'intervalle, offrir un espace supplémentaire à son ailier puis à son seconde ligne. Et après avoir pilonné la défense une nouvelle fois, Brex qui vient jouer dans ce dos par ses petites passes avec un appel à vide de Menoncello pour fixer le dernier défenseur. Et Ioane qui était venu de son aile opposée apporter le surnombre et offrir ce premier essai à l'équipe d'Italie, et c'est mérité par rapport aux premières 20 minutes que l'on vient de vivre à Cardiff. Ouais, Brex avec son casque systématiquement pivot dans cette équipe italienne quasiment. Ouais, et il le fait très bien, il le fait très bien. Autant parfois défensivement, il va parfois clairement à fond et casse un peu la ligne, mais l'avantage qu'il a par rapport aux autres saisons, c'est qu'il joue avec Menoncello qui a l'habitude de le connaître et qui s'adapte à ça. En tout cas pour l'instant, ça passe vraiment bien pour l'équipe d'Italie sur le côté offensif, même si là malheureusement Garbici lui n'a pas passé sa transformation. Ouais, c'est dommage, on espère pour les Italiens que ce sera sans conséquence, mais la transformation a été ratée. On est à 11-0 pour l'équipe d'Italie, magnifique essai. Et on voit un petit peu la joie de Gonzalo Quesada. C'est une parfaite entame, 20 minutes de jeu, 11 points pour les Italiens, de pénalité, un essai parfaitement construit. Et en plus, une bonne récupération de Ruzza, qui est véritablement un tour de contrôle en touche sur le renvoi des Transalpins. Avec un ballon à nouveau, maintenant la percussion de Yarné. On prépare la sortie de camp. Pour l'instant, on n'a pas voulu sortir le ballon en touche. On va rester sûrement. Ouais, sûrement sur. Bien voilà, parce que voici le ballon, il est sorti en touche du coup. Ouais, nouvelle touche pour les Gallois. Et il le dit. Italie. Au niveau des 50 mètres, il faut qu'il trouve des solutions. Italie. Et là on prévient, c'est. Ouais, il y a un bras cassé pour les Gallois. Ouais, les Italiens n'ont pas respecté le couloir, l'écartement qu'il doit y avoir au niveau du couloir, ils sont resserrés avant de le lancer en touche gallois. C'est ce que sanctionne Mathieu Reynald d'un bras cassé, et ce bras cassé va être sûrement transformé par une mêlée, même si elle n'est pas annoncée, mais on voit les deux équipes se rapprocher. Voilà, c'est transformé par une mêlée en faveur
des Gallois. Allez, c'est un moment important pour les Gallois, se remettre un petit peu dans cette rencontre. 22 minutes de jeu ici à Cardiff, ils sont menés 11-0. Ils ont bon lancement de jeu à suivre. Il faut qu'ils puissent créer un petit peu de danger dans cette défense italienne qui pour l'instant est parfaitement en place. Les conditions évidemment de gagner sans souci l'introduction. Ils ont déjà été pénalisés une fois, notamment le droitier gallois. Attention, entre des Italiens qui n'ont pas forcément trop accepté l'entrée en mêlée et des Gallois qui l'ont légèrement anticipé, l'édifice va au sol. Control the weight a little bit and they will keep a good hit. Okay. Mathieu Reynal du coup donne les consignes pour que la prochaine mêlée se passe pour le mieux. Là, on s'y remet, on sait malheureusement toutes les difficultés de rugby gallois, les difficultés des provinces galloises, la retraite de tant de joueurs de légende aujourd'hui, c'est George North, un petit peu avant c'était Alwyn Jones, Liam Williams et bien d'autres. On va essayer de reconstruire les Gallois et c'est parti avec peut-être un lancement de jeu. Tompkins, North, c'est pas mal fait. Il y a peut-être un seul moment joué, il a été bien pris. Winnet, attention par contre à ce contre italien. Et c'est à l'avant, hein. Ça n'a pas été exploité par les Italiens. Le lancement de jeu était intéressant. La défense italienne s'est bien adaptée. Oui, c'est surtout que c'est bien lu, effectivement. On a recherché un lancement différent. Côté gallois, on était plus sur du jeu direct jusqu'à présent. Là, on est allé chercher plus des extérieurs. Winnet qui essaye malgré tout de se décaler sur la prise de balle pour éviter la bonne lecture de Ioane, mais qui n'y arrive pas. Et les Italiens sont propres sur tout ce qu'ils proposent, offensivement comme défensivement. Et ça va les amène automatiquement à prendre de plus en plus de confiance. Ah, voilà l'enthousiasme de Monty Ioane, ce joueur d'origine australienne qui avait joué en 2012. Il était passé par le Stade français, il avait fait deux matchs avec l'équipe parisienne. Et ensuite, il a rejoint Trévise où il a fait quasiment toute sa carrière. Et du coup, il a pu être éligible pour l'équipe d'Italie. Ici, vous le reconnaissez, c'est Louis Lainag, le fils de Michael, on le voit à l'instant. Voilà, le sourire de la légende du rugby australien. Petit problème, hein, juste là, même si on voit Lainag, petit problème entre Mathieu Reynal et le soigneur. Et le soigneur. Ouais, c'est le soigneur, ouais, le soigneur gallois, mais ça va pas bien se passer. Hein. Ouais. Regardez, Nate Jenkins. Ok, il a prévenu Mathieu Reynal. Exclu et sorti. Sorti du terrain, sorti du banc, repartir au vestiaire. Vous l'avez reconnu, Nadjen Kitz, qui a quand même 1042 points inscrits avec le Pays de Galles dans les grandes années, les années 90. Et effectivement, il est toujours dans le staff gallois. Il y a une petite accroche avec Mathieu Reynal. Ouais, il venait simplement transmettre les directives du staff gallois qui avait vu le demi de mêlée Varney faire le tour de la mêlée et venir défendre un premier défenseur de l'autre côté. Alors certes, on peut considérer qu'il y avait peut-être une petite faute, mais c'est en tout cas pas aux soigneurs de venir interpeller l'arbitre, puisque ça fait partie des dernières directives qu'a demandé World Rugby, dans le respect justement vis-à-vis du corps arbitral, d'éviter que des personnes viennent, qui n'ont rien à y faire en dehors du capitaine, ne viennent prendre la parole vis-à-vis des officiels de match. Ah, c'est véritable, effectivement, fléau, en tout cas une tendance dans le rugby, avec beaucoup trop de joueurs qui donnent leur point de vue à l'arbitre, qui viennent s'exprimer en dehors du capitaine. Il faut garder un petit peu ce respect de l'arbitre dans le rugby, que ce soit le rugby amateur ou le rugby international. Et on a intention effectivement du côté du corps arbitral international et Joël Juge de remettre l'église au centre du village. Hein. Allez, mêlée, introduction Varney, là aussi des options pour les Italiens. On voit toute la ligne d'attaque avec Ioane qui est à l'intérieur de Garbizi. Bye. Set. Stay straight, stay like this. Ah, l'effort italien qui va être récompensé obligatoirement. Mais une grosse domination du gaucher italien Fischetti face à Lewis. Chris, good for you. Il peut être satisfait, Fischetti. Il fait une grosse production mêlée. Puis, j'allais dire, comme à l'accoutumée, il est très présent dans le jeu courant. Très présent sur les zones de contact des piliers gauche des Zèbres de Parme. Ah,
Voilà, forcément, et pour le moral des Italiens, le moral des avants, gagner cette mêlée, c'est un moment important. Voilà, on le revoit, c'est vraiment à la force du dos, bon travail collectif de l'avant, de l'ensemble du pack italien qui vient récompenser aussi la maîtrise de son pilier gauche. Aïe. Par contre, alors, ça pas en avant, on la récupère, on la récupère par Varney. Varney qui contourne au milieu de terrain, on va sortir le ballon côté italien. On ramasse avec Canon et Lorenzo, le troisième ligne. Allez, Fischetti justement. Les extérieurs maintenant, Brex, il a regardé ce ballon. On va reconstruire avec les piliers. Fischetti à nouveau, toujours aussi dynamique. Après le passe au pied, pied à dommage, il a manqué. Il a raté, l'intention était bonne, mais attention, parce que ça peut se payer cher. Heureusement que pour les Italiens, que l'Ainac a récupéré, il a même pu donner à Pagny. Mais Lancelot qui a perdu son ballon, ça peut être un bon ballon pour les Gallois. Allez, on va jouer sur les extérieurs maintenant avec le pilier Thomas. Ouais, c'est bien lui, Man qui est bien pris par Ruzza. Ouais, vraiment bien lui par Ruzza pour couper complètement les extérieurs, qui avait un vrai surnombre gallois qui vient encore. Eh bien, se présenter là, bonne chance Williams, attention, ça peut être dangereux maintenant pour Georges Nors qui reprend l'intérieur, qui est soutenu par tout le peuple de Cardiff, avec maintenant Adams qui a mis son ballon au sol, mais bon contest de Lamaro, pénalité, voilà, remarquable travail au sol Lamaro. Très belle intervention du capitaine italien pour enrayer cette offensive galloise qui était dans une belle dynamique, malheureusement, eh bien, il a manqué un dernier soutien pour préserver ce ballon et pouvoir ensuite l'éjecter. Mais on revoit, là c'est les Montchelos qui se fait arracher le ballon par Ruffel. Dit qui récupère. Et ensuite c'était bien joué avec Thomas Williams. Qui avait pris la tangente, qui retrouve Josh Adams. Et là, et puis ensuite, eh bien, il fait quand même un tournoi remarquable, le capitaine italien Michele Amoro. On le disait, il est assez largement en tête des meilleurs plaqueurs de la compétition avec 82 plaquages avant ce match. Et là il montre que effectivement il est. Il est pareil pour le très haut niveau international. Ouais, là on revoit, rien à dire, vous voyez, c'est le geste parfait où il vient vraiment mettre immédiatement les mains, il est sur ses appuis, il est dans son camp. Mais bon, attention quand même, il suffit de peu des fois. Hein. Un mauvais geste technique de Garbici qui ne s'applique pas du tout sur son jeu au pied. Et ça aurait pu coûter cher à cette équipe italienne alors que pour l'instant les Gallois ne sont vraiment pas dangereux. Ouais. En arrière, mais ils s'en sortent pas mal, hein, les Italiens sur le coup. Use it. Il faut la jouer, dit Monsieur Reynal. Ça va le faire. Et Ferrari, le pilier droit. À mettre du pied. Ils sont pas sûrs de l'avancer, les Italiens. Les sorties de balle sont trop lentes. Pour l'instant, leur jeu au pied a été plutôt positif. Il y a toujours eu de la pression dessous. Cette fois-ci, c'est un petit peu long, mais Ioane sera quand même à la tombée du ballon. Là, il va vite, Ioane. Il chasse le plaquage, par contre. Ouais. Ça va récupérer. Là, il y a peut-être un coup. C'est pas le bon départ, mais dommage. Le bon côté. C'était sur le grand côté qui avait les options pour les Gallois. Ça manque de communication entre les deux joueurs de la charnière, que ce soit Thomas Williams ou Costello. Les deux joueurs ne sont pas forcément dans la même province, l'un au Scarlett, l'autre à Cardiff. En tout cas, les repères, malheureusement, ne sont pas là. C'est reparti le petit train et le jeu de Thomas Williams très haut dans le ciel du Principality. Bonne réception par du droit. On va rejouer avec Negri qui va y défier. Point d'ancrage avec les joueurs italiens. Là on est un peu dans l'entre-deux. Aucune des deux équipes ne veut vraiment prendre l'initiative du jeu. On reste sur un jeu au pied pour essayer de mettre la pression ou de faire faute. Là, c'est un petit peu long. Il va y avoir un arrêt de volée. Et par contre, on va essayer de mettre du jeu. Williams. Mais les Italiens ne se mettent pas à la faute. Et c'est un ballon rendu à l'Italie. Garbisi a le temps de contrôler pour remettre du pied. Un petit peu trop profond. Attention, ne pas se gêner. Oh là 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 là. Cette manque de communication entre Costello et Winnet. C'est des fautes qui, au niveau international, normalement, ne devrait pas exister, des choses simples. Le joueur qui avance vers le ballon prend le lead et communique et appelle clairement pour éviter cela. C'était à Costello de prendre ses responsabilités.
au moins qu'il y en ait un des deux qui communique, ou que les deux communiquent relativement trop pour qu'il y en ait un qui laisse ensuite avec une nouvelle communication, mais trop d'erreurs, trop de fautes, alors qu'il y a un protocole commotion, me semble-t-il, pour Nico Terra. Donc, le casque qui vient de rentrer, c'est donc Gianmarco Lucchesi, lui aussi joueur expérimenté. Et on se fait du mouron, quel que soit l'âge, dans le camp gallois. Parce qu'il y a cette mêlée à suivre, ils sont dominateurs dans ce secteur. Et il pourrait faire très mal aux gallois, on le sait. Positionnement intéressant, vous l'avez vu très rapidement sur le plan large proposé par la réalisation, avec les trois quarts Pani dans le dos de Garbici et Menoncello dans le dos de Brex. Beaucoup d'incertitudes pour la défense galloise. On peut attaquer le côté fermé avec un surnombre. Ouais, par contre la passe un peu compliquée de Varney. Le panier qui conserve ce ballon, il va falloir tout remettre en place côté italien, reconstruire avec les avants. Lorenzo Cannone, numéro 8. Tackler. On cherche un petit peu la faute là, du côté de Varney. On renverse à nouveau le côté fermé, le jeu au pied. Ça c'est bien. Il y a Pani qui va être à la réception, il récupère ce ballon. Enfin, en avant. À l'avant, on va le sortir en touche, on va voir la décision d'arbitre en avant selon Mathieu Reynal. Il y a les deux. Knock on first option. C'est juste les Gallois qui vont choisir. Là par contre c'était bien réalisé. Manque de dextérité de la part de Pani sur le coup de pied de Garbici. En tout cas ils sont toujours dans le camp gallois. Des Gallois qui n'ont jamais été réellement dangereux dans cette première mi-temps. Et les Gallois qui ont préféré choisir la touche à la mêlée. Avec une touche raccourcie pour la prise de Bird. C'est Mann qui va défier Lucchesi. Fais attention au côté italien de ne pas se mettre à la faute. Il veut le récupérer assez rapidement le ballon sur touche. Et on va taper plutôt dans la profondeur du terrain, côté gallois. Là, on trouve la touche. Ouais, uniquement deux pénalités contre les Italiens pour 6 pénalités contre les Gallois. C'est remarquable. Hein, une nouvelle fois. Alors après, ils ont la possession de balle. Hein, les Italiens, ils mettent la pression sur l'équipe galloise qui est souvent subi les impacts. Ils arrivent à franchir le premier rideau et les Gallois, un peu dominés en mêlée et sur le reculoir, eh bien, concèdent automatiquement des fautes et des pénalités. Mais vous soulignez leur progrès dans la discipline aux Italiens. Jérôme, aujourd'hui, il le confirme. Ballon pour Lamaro. Varney, remise intérieure, Ioane Kepri. On va jouer avec Negri. Negri qui va défier, Negri qui avance. Brex, le point d'ancrage de cette ligne 3 quarts italienne. Là aussi, il y a peut-être une solution avec Lorenzo Cannone. Ouais, il arrive. Ah, il a tenté. Il a essayé de donner le ballon. C'est un en avant du coup en faveur de l'équipe du Pays de Galles. C'est sur ces ballons-là de transition qu'il faut vraiment qu'ils aillent chercher les extérieurs rapidement. Mais c'est bien fermé. Bien lu par les Italiens. Et Tompkins est dans la nasse. Ouais, c'est son prix. Ils sont pris. Oui. Ah, il a pris un petit peu. Ouais. Ils s'en sortent bien, les Gallois. Ouais, une première faute qui était sifflée pour position de hors-jeu de la ligne de 3 quarts italienne. Et puis finalement. Deuxième pénalité pour un plaquage haut contre le joueur du pays, enfin, qui a subi le joueur du Pays de Galles, l'arrière Winnette. Allez, on va profiter de cette touche pour vous rappeler eh bien, que c'est la dernière journée du tournoi, vous le savez, et que vous pouvez jouer avec nous. Mais allez, attends, on va attendre un petit peu parce que. Ah non, elle est partie la touche, tranquille, on va se faire le jeu tranquille parce qu'on va pouvoir. Attendre la touche et le lancement de jeu. Donc je vous le disais, dernière journée de tournoi, vous pouvez jouer avec nous. Une somme exceptionnelle de 50 000 euros sera remportée tout à l'heure à l'occasion du match France-Angleterre. Pour cela, vous envoyez sans plus tarder le mot rugby par SMS au 7-3-3 ou bien vous composez le 34-35. Allez, récupération des Gallois. Thomas Williams, Tompkins qui va défier au milieu du terrain pour Alex Mann. Le ballon qui sort, Thomas Williams. George North qui reprend l'intérieur, qui casse le plaquage. Il faut que des soutiens rapides, il faut sortir ce ballon plus vite côté gallois si on veut amener même de danger dans le
Geste de la toupie, vous avez reconnu le pilier droit de cette équipe Lewis. Percussion maintenant du pilier gauche, Gareth Thomas pour les Gallois. Toujours ses difficultés à avancer tout de même. Allez, Norse qui essaye de mettre de l'avancée du pied. Et ce sera un ballon rendu, même si la touche sera dans les 22 mètres, mais c'est un ballon rendu à l'équipe italienne. Les Gallois qui retrouvent un petit peu de l'avancée. Attention aux Italiens qui sont limite sur leur position défensive au niveau de la ligne du trois quarts. Pas très loin d'être hors jeu. Mais pour l'instant, ça passe encore. Est-ce que le contre-gallois va réussir à subtiliser le ballon à l'alignement italien, alignement réduit à 4 joueurs, time off. Avec un bloc bien sûr autour de Ruta. Sorry, Joy. Intervention de l'arbitrage vidéo, Joy Neuville. Okay. Non, c'est bon, non, pas de souci. Et la sortie pour les Italiens. On va jouer avec Canone Lorenzo, le frère cadet de la fratrie Canone. Il va rentrer tranquillement. Il est protégé par ses avants. Joue au pied, attention, non, ça ne sort pas directement. Ils ont bien fermé l'angle. Hein. Ouais. Le coup de pied est très bon. Malheureusement, ils n'ont pas pu propulser Josh Adam en touche, mais en tout cas, l'angle du jeu au pied était parfait pour venir fermer complètement le jeu gallois. Là, il y a de nouveau des espaces qui s'ouvrent dans la défense. Les libérations un petit peu retardées. Et on n'est pas forcément en situation de surnombre côté gallois. Et en plus, arrêté autour de Costello. Les transmissions ne sont pas assez fluides côté gallois pour redonner la vitesse. On essaye de trouver des solutions par le jeu au pied par Wainwright. Aïe, 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 on n'a pas beaucoup de solutions. Wainwright a été pourtant brillant depuis le début du tournoi, numéro 8 gallois. J'ai rien contre le jeu au pied des 3e ligne centre, mais quand on en arrive là, même si certains parfois le font très bien, j'en connais quelques-uns, là c'est qu'on est au bout de, quand même de trouver des solutions pour perturber les défenses adverses, ce qui montre toute la complexité du rugby gallois actuellement. Ah, on a certes le numéro 8 qui a réussi le drop, on s'appelle Zinzenbrook, le Black des années 90 qui avait réussi un drop d'une quarantaine de mètres, mais là effectivement il n'en est pas là. Wainwright, on l'a connu meilleur dans le jeu courant. Allez, par contre il est contré lui aussi Barnier. Heureusement qu'il y a Garbizzi qui récupère ce ballon pour les Italiens. Attention Garnier parce qu'il est souvent contré. Il avait été en Irlande. Attention à lancer la relance de Rio Dallaire qui lui met de la vitesse. Mais parfaite. La paire de centre une nouvelle fois, Brex Menanchi. Et un bon contre-re qui arrive derrière pour un ballon récupéré, oui, par les Italiens dans un deuxième temps. C'est fait. C'est fait, c'est pour Ruzza. Ruzza qui va se débattre, mais qui va garder ce ballon. Parfaite lecture du jeu, vous le disiez, Maillard de Angelo. En avant, ballon arraché par un gallois. Le ballon gagne par l'intérieur. Il n'y a pas par contre le relayeur, il faut aller vite, Tompkins. Beaucoup de ballons de même, s'il n'y a pas en avant. Ça cafouille au côté gallois, ça cafouille beaucoup trop. Là, c'est vraiment retardé. La logique voudrait que ça repasse, ça part du jeu au pied, parce qu'ils sont en sous-nombre. On va refaire un point de fixation pour essayer de réorganiser un lancement autour du demi de mêlée, mais on préfère maintenant passer par du pied. Il s'est ouvert son angle sur son pied droit, Thomas Williams. Allez, Josh Adams à la lutte. Ballon manqué par les deux joueurs et bonne couverture de Negri. Ouais, par contre, on les récupère une pénalité, les Gallois. Ils n'ont pas récupéré beaucoup dans cette première mi-temps. Cela peut être important. Juste avant les Citrons, c'est Lucchesi qui est signalé. Alors qu'on n'a pas vu le retour sur le terrain de la part de Nico Terra. Ça pourrait être définitif pour le talonneur italien. Talonneur en tout cas au coup d'envoi. Et forcément, eh bien, on va se donner un petit peu d'espoir côté gallois. Essayer de revenir dans cette rencontre avec une touche à suivre. Ouais, les Gallois qui ont été très peu de temps dans les 22 mètres de l'équipe italienne. Ils ont cette opportunité avant la mi-temps. Il faudrait qu'ils la concrétisent pour revenir au vestiaire avec un peu plus de certitude. Le ballon bien tombé. Allez, ballon tombé malheureusement en avant au contact. Beaucoup de ballons tombés de la part de Tompkins. Pourtant lui c'est un des joueurs expérimentés de cette équipe galloise. Et cet après-midi, sur ce bon service de Wainwright, il se fait perd le ballon au contact de Garbizzi.
Time is off. Allez, le temps est arrêté. Vous l'avez entendu, il y a Negri qui reste au sol. Et des Gallois qui trouvent très peu de solutions. Des Italiens qui sont tombés un petit peu dans l'entre-deux, qui ont peu de possession au final. Ouais. Des Gallois qui n'utilisent pas forcément très bien le ballon parce que la défense italienne prend le pas sur l'attaque galloise avec une meilleure avancée, avec plus de vitesse pour monter et contrer les offensives du pays de Galles. Il ne faut pas qu'ils se contentent de ça quand même. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça effectivement, avec une utilisation du pied moins précise, des joueurs qui sont plus forcément très connectés à des moments ou qui repèrent trop facilement le ballon après l'avoir récupéré, comme ça a été le cas de Ruzza après le contre-rug de Menoncello et de Brex. Ah, les conseils de Mathieu Reynal à la première ligne italienne, à son homologue galloise maintenant. Il va falloir du côté des Italiens 1 minute 30 avant cette première mi-temps qui est parfaite sur le plan comptable pour eux. Et bien assurer une sortie de camp. On rappelle que ces Italiens obtiendraient en cas de victoire leur meilleur résultat depuis leur entrée dans le tournoi en 2000 avec deux victoires et un nul contre la France. Et là, ils obtiennent une belle pénalité de plus en mêlée, la deuxième. Ouais, une nouvelle pénalité en mêlée. Sur les piliers les plus expérimentés qu'ils ont. Les Gallois, vous voulez dire. Les Gallois, oui, les Gallois. C'est... Et bon, lorsqu'on sait la problématique peut-être de la rentrée ensuite au niveau du coaching et de la première ligne galloise, c'est pas simple. C'est vraiment, maigre, hein. Vraiment pas ouais. simple. Et les Italiens eh bien, se sortent ouais. d'un mauvais pas sur cette intrusion, mais finalement très fugace des Gallois dans leur 22 mètres. Cette fois-ci, c'est le pilier gauche. Hein. Okay, so keep your elbow up. Ouais, on le voit. Hein. Ouais. Aucune discussion possible. Voilà, il a vraiment un mauvais positionnement de son bras, une liaison qui tire vers le bas, qui amène le joueur italien au sol. Allez, Ruzza qui arrive à capter le ballon. Les Gallois qui ont réussi à passer le bras. Hein. Really ils contrarié les Italiens dans leur lancer en touche. Heureusement, j'ai envie de dire, ce qui permet aux Gallois de continuer à exister dans cette première mi-temps. Mais là, on le voit, hein, de nouveau, ils sont complètement arrêtés. Il faut contourner toute la défense du côté de Tompkins qui se remet dans les mains de la troisième ligne italienne. Et ensuite, eh bien, des passes très profondes, mais on vient fermer les extérieurs. On redonne intérieur, on retrouve la défense italienne. Et de nouveau, bien, c'est arrêté et c'est compliqué pour trouver de l'avancée dans le jeu gallois. On a vu North en pivot pour Bird. On va essayer de reconstruire avec Elodie, le talonneur. On n'avance pas, côté gallois, rien à faire. Petit coup de pied, ça peut être intéressant. S'il récupère le bon Tompkins, malheureusement pour lui, il n'y a pas le bon rebond. C'est North dans un second temps. C'est cafouillé. Car rien ne veut, quand les rebonds ne sont pas pour vous, alors que les options de jeu sont bonnes. Allez, il faut y aller, l'extraire ce ballon, Garbici, c'est la mi-temps, c'est fini. Effectivement, c'est la mi-temps sifflée par Mathieu Reynal, le français, et pour l'instant, eh bien, pour Garbici et cette équipe d'Italie, eh bien, la première mi-temps s'est déroulée d'une façon parfaite avec un essai inscrit par Ioane, vous le voyez avec son numéro 11, deux pénalités de Garbici, 11 à 0 pour l'Italie. Les Gallois Fanny et la meilleure opération, eh bien, elle est pour les Transalpins. On se retrouve pour la deuxième mi-temps après une petite page de publicité. Effectivement, Jean Glor, c'est le terminant monté avant de rejoindre la Provence, puisqu'il a signé à Provence Rugby pour les deux prochaines saisons. Eh bien, il va falloir qu'il refasse ce retard de 11 points. Et pourtant, Jérôme, les Italiens n'ont pas fait véritablement, eux, le plein de toutes les occasions qu'ils ont eues avant la mi-temps. Donc, il n'y a rien qui est totalement joué. Exactement. Hein. C'est vrai que les Italiens ont très bien géré les 20 premières minutes de la première mi-temps. Les 20 dernières ont été plus délicates. Ils n'ont pas été pragmatiques et efficaces dans la zone de marque, ce qui laisse effectivement cette équipe galloise envie. On va voir leur réaction sur le début de cette seconde période, mais en tout cas on ne sait jamais, un incident de jeu, un carton peut à un moment donné eh bien, déstabiliser un petit peu l'avancée italienne. C'est ce qui s'était passé contre l'Écosse. Les Gallois étaient revenus, mais ils avaient joué pendant 20 minutes à 15 contre 14, les Écossais faisant preuve d'indiscipline et surtout
de gestes illicites qui les avaient amenés à être en infériorité. En tout cas, premier ballon aérien et première lutte aérienne gagnée par le Pays de Galles. Ah, effectivement, avec Thomas Williams qui va jouer avec son pilier maintenant. Thomas qui va à la percussion au centre du terrain. Il attend le ballon à nouveau. Thomas Williams, on chacaille du côté des joueurs transalpins. Et on va jouer maintenant au pied par contre avec Costello pour les Gallois. Sans véritable conviction, le jeu au pied en profondeur. Il est bien fait, je vois, plein centre. Italien, il est bien fait. Costello à la retombée, échange de coups de pied. Et c'est Garbizi. Garbizi qui est à la relance, qui est face à Dyer. Il est bien pris par l'ailier gallois. Il se relève. Il va pouvoir assurer la conservation de son ballon. Par contre, il va falloir vite être en soutien. C'est fait maintenant. Ferrari. Ferrari pour Negri. Toujours le premier à la percussion pour les joueurs de Gonzalo Quesada. Et là, on va repasser par du jeu au pied avec Varmi. C'est bien tapé. C'est haut. Il y a Laina qui a été gêné par Thomas Williams. Qui a cru qu'un. Sans incidence en tout cas, selon le corps arbitral. Ouais, non, le joueur n'avait pas changé sa ligne de course et donc il était vraiment dans une course de repli, dans l'axe de joueur qui allait se saisir du ballon. Donc aucun souci de ce côté-là dans la règle. Et les Gallois, de nouveau, sur une sortie de camp, par du jeu au pied, sur un jeu bien plutôt lent, plutôt retardé, qui permet à l'équipe d'Italienne d'être totalement replacée. Par contre, le jeu au pied est plutôt bon et d'ailleurs pourrait être à la lutte avec Garbisi. Ah, de l'ouverture italien qui récupère ce ballon. Comme il rappelle, il va rejoindre Toulon. Après avoir débuté la saison avec Montpellier. Mais de l'ouverture de la squadra. Et on va revenir par contre. Un classique, c'est-à-dire le jeu au pied de Varnet. On se teste notamment à la réception pour Winette. Winette qui est bien pris à nouveau par Lamaro. Attention, le côté fermé, il y a peut-être un surnombre à exploiter. D'ailleurs, il est contré. Et ça repart en touche. Toujours ce manque de solution, un côté ouais, peu enthousiasmant, hein, parce que d'un côté il y a un manque de solution évident pour les Gallois qui n'arrivent pas à mettre de la vitesse dans leur libération, parce qu'à peu près le jeu italien n'est pas lui complètement abouti en place non plus, c'est trop lent, et par contre les Italiens qui eux ne souhaitent pas non plus prendre leur jeu à leur compte dans l'entre-deux, dans les 40-40, et on s'en remet du coup ensuite à des fautes comme c'est le cas là, avec une nouvelle lutte aérienne gagnée par contre par le Pays de Galles. Ouais, par Joshua Lambert notamment qui a retrouvé Tomkins, on va faire jouer les avant côté gallois. Côté fermé, c'est parti avec Alex Mann qui va percuter, souvent également premier attaquant, le troisième Niel. Tête baissée pour le capitaine Daffy Jenkins. Burn, c'était limite, c'était à plat, au cordeau, ouais, devant nous. Alors, ça laisse une possession galloise. Back on side. Mais une fois. Allez, Winette, c'est bien fait ce qu'il fait avec Rieu d'ailleurs qui est dans l'intérieur, qui va trouver Thomas Williams. Ah, il reprend l'intérieur, il est pris, il est chassé par Varnet. Ça va sortir côté gallois, ça c'est intéressant. Ah, bonne défense de la part des Italiens. Avec le retour de Nico Terra qui est revenu sur le terrain, le talonneur, ça a retardé forcément. La sortie de balle pour les Gallois, percussion au centre du terrain. Et le public de Cardiff enfin qui s'enthousiasme avec Costello, la feinte de passe, il est bien pris. On rentre dans les 22 mètres, Thomas Williams pour Tompkins. Thomas Williams, il faut reconstruire, remise intérieure pour Mann. La défense italienne s'est remise en place. Mais c'était bien fait cette passe au départ, l'action de Minette. Pénalité, il y a un appel de l'arbitre vidéo pour un déblayage en saisissant le coup. En mettant en danger la santé du joueur italien. Ouais, c'est le numéro 5, c'est Adam Bird qui a commis cette faute. Mais là, par contre, grosse erreur défensive de Varnet. Ils sont en infériorité numérique, les Gallois en attaque. Supériorité numérique italienne, manque de lecture du numéro 9 italien qui ne regarde pas sa zone, qui n'a les yeux que sur le ballon et qui laisse un espace qui, normalement, n'aurait jamais dû exister et qui permet d'ailleurs, par contre, de bien jouer le coup et de revenir vers l'intérieur, de donner de la continuité au jeu. Mais clairement, ces erreurs sont encore les manques de l'Italie qui leur posent quelques soucis parfois lorsqu'il faut gagner les matchs. Maintenant, ils se rassurent par cette touche trouvée par Pagny. Ouais, on revoit, la faute, aucun souci. Vraiment, c'est une prise directe au cou sur Ruzza. Parfait arbitrage de Joinville, l'Irlandaise, qui est à la vidéo. On va pouvoir percuter
et plutôt faire jouer côté italien. C'est bien joué, Ioane. Ça peut peut-être aller au bout. Pani, la vitesse de Pani. Il faut qu'il trouve une solution à l'intérieur. C'est magnifique. Quel essai, quel exploit de Pani. Exceptionnel exploit de l'arrière italien. Le lancement de jeu était parfait. La conclusion à toute en vitesse et en anticipation de la part de Lorenzo Pani pour le deuxième essai de cette équipe italienne pour le bonheur des supporters italiens qui sont venus cet après-midi. Mais quel essai magnifique, quel lancement de jeu. Et le troisième essai de la carrière de Lorenzo Pani. Il joue parfois ailier, il joue parfois arrière. Il a montré là qu'il avait des cannes. Regardez cette action. Ah, la combinaison, elle est superbe. Et franchement, ça attire les Gallois dans tous les sens. Ça ouvre des espaces, ça fixe les courses. Et ça vient attaquer parfaitement les intervalles. Et ensuite, Ioane arrive à transmettre à son arrière Pani, qui utilise là aussi les soutiens qu'il a un petit peu à l'extérieur, navigue dans la défense galloise, se joue de trois défenseurs dans un petit périmètre, avec aucun qui prend finalement la responsabilité d'aller chercher le joueur et de venir le plaquer. Ça va trop vite pour les Gallois lorsque les Italiens arrivent à mettre leur lancement de jeu en place autour de la touche essentiellement. Mais en tout cas, c'est parfaitement réalisé. C'est un premier vrai break dans cette deuxième mi-temps pourrait permettre aux Italiens maintenant, bien au-delà d'aller chercher la victoire, c'est aussi d'aller chercher le point de bonus offensif. Ouais. À 4 essais. À 4 essais, bien sûr, parce que s'ils veulent espérer la troisième place, ça ne passe par rapport à leur goal average essentiellement que par 5 points pour être à 12, alors que les Écossais et les Français sont encore à 11. On revoit cette combinaison avec toujours l'arrivée de Ioane, l'ailier opposé qui vient amener le surnombre. Et la finition parfaite. Et la jeunesse italienne, on le disait, c'est le dernier trois quarts italienne, 5 joueurs qui ont 23 ans, moins de 23 ans, à part Ioane et Brex, c'est bien, ils sont là pour quelques années a priori, à porter ce maillot bleu. Use it, Italy. C'est du meilleur effet pour l'intérêt du tournoi. Et on aimerait que ce soit la même chose pour les Gallois, qui se refassent. Là aussi, donc quelques joueurs comme Winnet, qui était à la relance au milieu du terrain. 18-0 pour l'Italie. Alors on peut... Les Gallois qui ont fondé quelques espoirs. Et puisque hier, les moins de 20 Gallois ont battu les moins de 20 Italiens, qui eux avaient dominé les Français il y a peu de temps. Donc ils essayent aussi et ils espèrent que petit à petit, ils arriveront à reconstruire avec de jeunes joueurs. Mais c'est un petit peu plus compliqué tant le réservoir gallois est quand même un réservoir plutôt limité. Ouais. Plutôt limité. Time off. Substitution. Cette animation en tout cas est intéressante. Enfin, un petit peu de vitesse et des mouvements. Et de la justesse technique côté gallois. Time is off. Substitution. Et là, on va avoir un changement côté gallois. Ouais, c'est Mason Grady qui rentre à la place de Tompkins. Normalement, ça va être du poste pour poste. Ouais, je vous sens très joueur, gros gabarit. Mason Grady. 1m96, 112 kg. Ok. Ça a été dur pour Tompkins. Allez, lancé pour 10. Alors, le premier ballon peut-être. Non, il est venu comme l'heure en Grady. Et on a joué avec Norse. Et pénalité pour les Gallois. Ouais, Menoncello qui est allé plaquer 5 mètres derrière le point de contact. Un joueur gallois, c'est cadeau. Ça va donner l'opportunité à Costello de trouver une touche espérée dans les 22 mètres. Mais, oh là 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 là, Ioane presque, il rentre le ballon alors qu'il avait uniquement à laisser le ballon sortir en ballon mort. Mais une nouvelle fois, grosse erreur du demi d'ouverture gallois. Ça fait la 2. Ça fait deux fois que ces pénalités ne trouvent pas la touche. Ah, on a vu la mine dépiter le Warren Gatland, même si on se rappelle que ces Gallois étaient menés 27-0 par l'Écosse ici même au Principality Stadium. Ils sont revenus à 27-26. On espère pour eux qu'ils auront l'enthousiasme et les qualités pour revenir. Là, ils ont clenché un recoupement. Il faut sortir le ballon, mais il a accroché. Difficile, parce que les Italiens étaient présents. Allez, Josh Adams qui se lance dans le fermé, mais à 1 contre 2. L'effort des Gallois pour que le ballon soit conservé par l'équipe au poireau. Les percussions de Adam Byrne. Gareth Thomas, il a bien avancé. Thomas Williams. Allez, premier ballon pour Grady. Grady a perdu son ballon, dommage pour lui.
cette récupération de Ioane qui essaie de mettre de la vitesse. On va pas pouvoir l'exploiter côté italien. En tout cas, c'est mal embarqué. Oh, et il est plaqué au pan. Grady en plus, ouais. Et il y aura une pénalité. Ouais. Grady. Attention aux embardés. Premier coup en avant, deuxième coup le plaquage haut. Il en a fait une sur la route il y a quelques mois. Il était à 185 km/h, il a eu quelques petits fusils. Bon. Mais. Ah, c'est Panier qui prend le jeu au pied, de son pied gauche, pour trouver une touche toujours dans les 40 mètres italiens. On va voir le plaquage haut, ouais, voilà. Un peu trop de. Ouais, simple pénalité. Dit, ouais, il attaque d'abord l'épaule, ouais. Ouais, et ensuite ça monte au niveau du cou. En tout cas, ça permet aux Italiens et à Nico Terra, dont on a souligné le retour après un protocole commotion, de pouvoir repartir sur une touche. Ouais, ça a changé. Le 9, le 8 et le 3 côté italien. Ah, numéro 22. On le connaît bien, il a porté les couleurs du Stade Toulousain aujourd'hui à Lyon. Eh bien, c'est Pajerello, Martin Pajerello, qui va rentrer à la mêlée. On voit avec le casque également, c'est un troisième ligne qui est rentré. Ouais, Ross Vincent qui rentre aussi. Ross Vincent, ouais. Et puis poste de pilier droit, c'est l'entrée de Josué Ziloki. Poste de pilier droit, et on a sorti donc de Lorenzo Cannone, qui avait été le meilleur plaqueur de la première mi-temps avec 11 plaquages. Et de suite, eh bien, pour se mettre en évidence, Ross Vincent. Ah, par contre, attention à ce ballon récupéré par les Gallois. Avec le capitaine qui l'a récupéré, David Jenkins. On va jouer maintenant avec Yodi. Ouais, voilà, là, en avant. Donc on reviendra au premier avantage. Le nombre d'en avant gallois cet après-midi. C'est symptomatique d'une équipe qui doute. Ouais, et Cannone qui lui est surpris d'avoir ce ballon dans les mains sur la passe de son demi-mêlée, Pajerello. On tape sur le sol et Yodi. C'est le ballon qu'il faut voir rapidement exploiter. Ça coach de nouveau avec la rentrée de Rollins pour remplacer Bird du côté du Pays de Galles en seconde ligne. Ouais, Will Rollins qui est joueur du Racing 92 qui remplace le preneur de balle essentiel de cette équipe du Pays de Galles en touche. Adam Byrne. Sans solution, c'est gallois. Ah, ils ont une bonne mêlée quand même à exploiter. Crouch. Quelle solution, j'allais dire, Jérôme, pour ces Gallois Ouais, on les voit un petit peu. Les Italiennes, au-delà de certaines fulgurances, ne sont pas dans une maîtrise totale malgré tout. On voit des Gallois qui reviennent un peu mieux sur les initiatives et les choix de la seconde mi-temps, qui arrivent aussi à avancer dans la défense italienne, comme là par exemple, alors qu'ils ne le faisaient pas en première période. Et du coup, ça leur laisse encore de l'espoir, mais il faudrait qu'ils marquent très rapidement pour réduire l'écart au score. Ouais, parfaite illustration avec cette offensive des joueurs gallois. On va jouer sur les extérieurs maintenant avec Winnet qui essaye de s'infiltrer. Ballon au sol et nouvelle pénalité. Par contre, les Italiens toujours présents depuis le début de la rencontre sur le jeu au sol. Ouais, il faut remercier Yebrex cette fois-ci. Ouais. C'est lui qui conteste ce ballon et qui le récupère dans les mains de Winnet, qui ne l'a pas libéré alors qu'il était au sol. On revoit l'action. Ouais, on va revoir. C'est là, parfaitement là aussi. Ouais. Ce ballon est récupéré. Mais les Italiens manquent un peu plus de plaquage qu'en première période. Leur défense est moins aboutie. Mais pour l'instant, côté score, c'est le gel de la partie du tableau d'affichage du Pays de Galles. Ouais. Allez, bon lancement de jeu pour les Italiens avec une touche raccourcie. C'est bien fait. Il met la vitesse, Vincent. Il va très vite. Le troisième ligne qui vient de rentrer là. Le ballon qui sort. Il va presque un peu trop vite pour ses soutiens. Hein. Il est arrivé un peu en retard. Il a fallu batailler un peu au sol, mais le ballon reste italien. Allez, Martin Pajerello qui va passer par le jeu au pied. Le ballon a été ralenti. Forcément, il est bien tapé ce coup de pied. Il y aura du monde à la retombée. Une bonne récupération de la part de Josh Adams. Le 3 carré gallois.
un nouveau plaquage manqué de la part des Italiens qui donnent de l'avancée aux Gallois. On va remettre du pied. Voilà, il n'est pas non plus très très bien fait, mais il y aura quand même une belle lutte. Et ouais, c'est là une récupération de l'Inax. Il faut qu'il sorte ce ballon, qu'on puisse exploiter vite côté italien. Il y aura peut-être des possibilités. Allez, plus vite. Allez, Ruzza, il hésite un petit peu. Il va se rassurer en se mettant son ballon au chaud. On est en train de s'organiser du côté des trois quarts italiens. On va repasser par du pied. Ouais, là, les trop de temps ne vont pas forcément prendre un risque lorsqu'ils sont sur une situation de surplace. Allez, jeu ok. L'Inax sera dessous pour la lutte avec Winnet. Mais il est bien protégé dans un premier temps. Et le ballon reste gallois. Attention, au bord de ruck, il y a un peu d'espace pour les Gallois, mais apparemment ils ne vont pas forcément l'utiliser. On reste de nouveau sur du pied. Et bonne lutte entre Garbici et, avant. Et d'ailleurs, mais il y aura un en avant du joueur italien. Le temps passe et les Gallois pour l'instant restent sur un jeu d'occupation. Même si les premières luttes aériennes de cette seconde période étaient en faveur de l'équipe au maillot rouge, mais malheureusement on reste sur un jeu d'entre deux qui va des 22-22 dans les 40 mètres et il va falloir autre chose pour le pays de Galles pour espérer s'imposer aujourd'hui. Pour l'instant, forcément le chronomètre fait le jeu des Italiens, même si vous le disiez, ils peuvent viser un bonus à 4 essais, mais ils n'en sont pas là pour l'instant, ils veulent assurer leur victoire. Serait la deuxième de cette compétition, plus un match nul. Meilleur résultat de l'Italie depuis l'entrée dans le tournoi. Si ça se confirme jusqu'au bout, mais l'introduction pour les Gallois. Plutôt stable. Allez, sur les extérieurs, Winnet qui a trouvé George North. Bien bloqué une nouvelle fois par Menoncello. Et là, on joue dans le sens où les Italiens attendaient les Gallois. Question de Lewis, j'ai l'impression que George North est resté au sol en plus côté gallois. Et sur les extérieurs, là il y aura peut-être un coup à jouer pour Winnet en 1 contre 1. Il reprend l'intérieur, il a été découpé par le pilier italien. Ouais, le 1 contre 1 s'est transformé en 1 contre 3, donc un peu plus compliqué pour passer. On conserve le ballon quand même côté gallois. Costello quasiment sur un pas pour Grady qui va aller percuter les solides, Grady. Il avance bien, là ça peut être intéressant. Thomas Williams qui prend en tangente. Thomas Williams qui trouve du soutien, qui trouve maintenant Josh Adams. On arrive quasiment dans les 22 mètres italiens. Le ballon est ramassé par le pilier Williams. Ballon sur les extérieurs maintenant. Il y a un surnombre à jouer maintenant, intéressant. Avec Grady. Pardon, c'est le deuxième de relance pour les Gallois. La troisième, Alex Mann, bien pris là par le Nico Terra. Continue à remettre de la vitesse côté gallois. Grady cette fois-ci qui va percuter et le public de Cardiff qui se réveille. George North à la manœuvre. Ah, les solutions elles sont autour et pour les Gallois, ils sont prêts à des zones d'affrontement. Ils ont trouvé un premier espace avec Thomas Williams. Malheureusement une rentrée latérale du soutien offensif gallois qui vient déblayer sur le côté. Il me semble que c'est Ruzza, le second de ligne italien, qui venait contester ce ballon. C'est dur parce que l'initiative est intéressante au départ. Et systématiquement ils sont... Mais ça manque de continuité, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé la solution dans l'axe et de suite ils viennent écarter le ballon sur des zones où il n'y a pas de surnombre. Alors plutôt que de continuer dans l'axe là où ils avaient fait la différence. Et c'est vrai qu'il y a ce manque donc de continuité et de logique dans le jeu des Gallois qui ne leur permet pas de valider parfois des situations positives. Alors, on a 10 pénalités concédées par les Gallois alors que le jeu est arrêté pour George Dorsey, on disait qu'il était touché sur l'action précédente. Juste l'occasion de vous dire que vous pouvez effectivement gagner cette somme exceptionnelle de 50 000 euros qui est en jeu aujourd'hui sur le tournoi. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu tout à l'heure lors de France-Angleterre, vous envoyez dès maintenant le mot rugby par SMS au 7-3-3 ou bien vous composez le 34-35. Bonne chance à vous, alors qu'on a vu là George North au cœur de la fournaise. Et cette pénalité récupérée par les Italiens. On disait au niveau des pénalités, 10 pénalités déjà concédées par les Gallois, beaucoup au sol. Que ce soit sur les grattages italiens ou sur des mauvais soutiens. Et là on fait rentrer du monde frais
côté italien, sorti de Fischetti, le pilier gauche remplacé par Mirko Spagnolo, et il était déjà rentré en mi-temps, Lucchesi. C'était sur protocole commotion, là c'est définitif pour la sortie de Nico Terra. Okay. Et également Sébastien Negri, le solide troisième IL de Trévise qui sort. Je ne vois pas le remplaçant prêt à rentrer. Il n'a pas envie ou... Non, par contre, c'est du côté plutôt gallois qu'on fait le remplacement. Ou le troisième ligne. On a déjà cuir de bois dans la bouche côté gallois des supporters. Ça, c'est pas bon signe. C'est Mackenzie Martin qui est rentré à la place d'Alex Mann. Une petite confusion de troisième ligne. Effectivement, bien vu Jérôme. Vous avez vu les supporters gallois avec la cuillère de bois dans la bouche. C'est pas possible. Elle aura un goût amer, je pense. C'est pour la petite histoire de cette cuillère de bois. Alors ça vient en fait de... C'est une vieille histoire. Ça vient de l'université de Cambridge où on l'a remettait à l'étudiant qui avait la plus mauvaise note en mathématiques. Et puis un jour, un facétieux étudiant anglais en a offert une à l'équipe d'Irlande. C'était en 1884 et c'est resté dans la longue tradition du tournoi. Alors que la nouvelle tendance du tournoi, eh bien cette saison, c'est cette équipe d'Italie qui est en train de dominer assez largement. Score en tout cas cette rencontre. Ouais, Cannonet, attention, hein, ça manque un petit peu de dextérité. Ça fait deux fois qu'il contrôle mal le ballon. Pas de mauvaises conséquences, si ce n'est un jeu retardé. Il va falloir repasser par du pied. Qui est un petit peu profond. Et derrière, il y aura une pression de Ioane, mais Josh Adams arrive à s'en sortir. Il est tombé sur un os, en l'occurrence le Brex. Solide toujours. Et d'ailleurs, il s'accroche un petit peu avec Josh Adams, en dehors du champ des caméras. Allez, reviens au jeu. Attention, Thomas Williams. Ouais, attention, parce qu'on recule. Hein. Rudza, il regardait plus trop ce qui se passait autour de lui. De Ruffel qu'on a moins vu que d'habitude dans le jeu au sol, où d'habitude effectivement c'est un poison. C'était le meilleur gratteur du tournoi, numéro 7 gallois. Thomas Williams, ça repasse par le pied Garbizi. Ouais, il y a le fond de l'entre de Brex. Ouais, il me semblait que Brex avait mis l'épaule sur Josh Adam, le gênant dans sa montée vers la lutte aérienne. Ouais, j'ai l'impression d'ailleurs que Mathieu Renal consulte. Ouais, ça demande à être checké. Maintenant, c'est un peu tard, par contre, du coup, pour revenir dessus. Allez, Negri, toujours bien présent sur le terrain. Effectivement, c'est lui qui est venu s'imposer à grand coup d'épaule. Et Pajrello, lui, utilise toujours son jeu au pied, qui est plutôt bien dosé depuis sa rentrée. Un peu profond, celui-là. Allez, la relance galloise. Thomas Williams, passé à la limite par Vincent. Il dit que c'est bon, Mathieu Renal, vous l'avez entendu. Ça va être checké, mais lui, il pense que c'est au niveau du torse. Là, cette fois-ci, est-ce que le rabot est fait la récupération, il y en a là-bas. Mais je pense qu'ils ont pu se faire mal. Est-ce qu'on continue à jouer dans cette action? C'est pourquoi pas, ça profite aux Gallois. Il y a plusieurs en avant, par contre. Et je crois qu'il y a des avantages qui auraient dû être... arrêté, c'est pas le cas. Après, je pense que du côté du joueur, il faut arrêter le jeu parce que l'arrière italien Pani, il est séché. Le contact avec Grady était dangereux. Là, il reste bien au sol. Les Messen Grady qui récupère le ballon. Ouais, on va revoir. C'est totalement accidentel. Les deux sont au ballon, malheureusement. Il y en a un qui est un peu plus solide que l'autre. Hein. Ouais, il y a de la vitesse et c'est vrai qu'ensuite il y a tête contre tête, mais c'est vraiment difficile de sanctionner un joueur parce que là les deux joueurs ils sont ni l'un ni l'autre dans la possibilité d'assurer la sécurité du vis-à-vis. Ils viennent les deux disputer le ballon. C'est soudain et clairement c'est totalement accidentel. Il n'y a aucune volonté de l'un ou de l'autre de venir effectuer une action dangereuse sur son vis-à-vis. Okay. Alors, on va quand même le checker apparemment. Put it on the screen, please. Ça serait vraiment... Alors en le checkant, on risque à le voir et le contact à la tête. Mais clairement, sanctionner un joueur pour ça serait vraiment dur. Et pratiquement, est-ce que c'est pas du coup les Moncello qui est le plaqueur qui doit assurer la sécurité de Grady. Donc c'est vraiment délicat, on va écouter les arbitres. Ask
offside. For me, Joe, it's accidental. I agree. Both players going for the ball. Yeah, both players. That happened very quickly. He try to compete for the ball. Ouais. Vous avez la même analyse que vous, Mathurin, la même analyse que c'est pour vous ça, je veux quand même attendre le challenge entre les arbitres. Effectivement, il y a un coup de tête de Grady, il y a un coup d'épaule de Put it in real speed, please. Joinville insiste un petit peu. Je ne suis pas sûr que ce soit bien qu'elles soient rentrées sur cette action. Okay. Here it is now, Matthew. Now that's happened so quickly for me. For me, it's accidental. I don't see any full play here. It's accidental for me. Okay, we will stay on the scrum. Je pense que Mathieu Reynal prend vraiment la bonne décision et que Joinville n'avait pas rentré sur cette action parce qu'elle pouvait mettre l'arbitre en difficulté dans sa décision. Parce que lorsqu'on voit les images, bien sûr qu'on identifie un contact à la tête. Donc si on applique le règlement, il faudrait trouver un coupable. Et là, les deux joueurs, malheureusement. Mais quelque part, ils font une action de jeu et cette action de jeu amène ce contact-là, mais il n'y a aucune volonté de part et d'autre que cela soit répréhensible. Pas de coupable à tout prix. Par contre, il peut y avoir des protocoles. Hein. Ouais. Ça, c'est possible. Ça, parce qu'on voit les deux joueurs reprendre place. Et pour l'instant, on restera purement sur du coaching et pas du tout au niveau des deux joueurs concernés, mais plutôt au niveau de la troisième ligne italienne. Exactement. Negri, cette fois-ci, c'est sorti définitive. Ce joueur avec le casque très intéressant dans le jeu, c'est Giuliani, Emanuele Giuliani, lui aussi jeune joueur 23 ans. Donc ça satisfait de sa rencontre Negri, lui qui est né au Zimbabwe et qui fait les beaux jours de cette équipe italienne. Ils ont eu des moments difficiles pendant les années, cette équipe italienne, beaucoup de défaites. J'imagine qu'ils doivent apprécier ces moments où pour l'instant, sauf retour en situation, ils ont le match en main. Allez, lancement pour Costello. Winnet. Grady qui met la vitesse, la percussion. Il avance quand même ce jeune joueur également de 21 ans. Rowland au milieu du terrain pour les Gallois. Ils ont quand même un jeu plus intéressant qu'en première mi-temps. Hein. Ouais, ils trouvent de l'avancée. Ouais. Avec Di maintenant qui remet d'ailleurs pour d'ailleurs, attention d'ailleurs, il a pris un Samuel Rice. Essai de Thomas Williams, il est pris. Thomas Williams, magnifique retour de la troisième ligne italienne. Le ballon, il faut qu'il sorte très vite pour les Gallois. Ah, il a mis les mains, hein, je ne sais pas, il n'est pas récompensé. Maintenant, c'est un petit peu tard parce qu'on va lui demander de lâcher, mais il me semble que son intervention était bonne aux troisième ligne italienne dans un premier temps. Est-ce que d'ailleurs, ce n'est pas eux qui ont récupéré le ballon? Il l'a récupéré, Jérôme. Quel travail la troisième ligne italienne cet après-midi dans les replis défensifs. Parce qu'elle en croyait que ça allait au bout et j'allais dire que c'était un classique. D'ailleurs, Thomas Williams, c'est Lamaro qui prend le pied. Tout le monde était dans le roupement. Mais voilà, ce retour. Hein. Après, les Gallois, avec l'entrée de Grady, arrivent à trouver de l'avancée. Dès qu'on trouve de l'avancée, on arrive à mettre de la vitesse. Ah, c'était bien fait. La vitesse amène aussi la création d'espace. D'ailleurs, en mettant l'Italie en difficulté, mais là ça a manqué de patte du côté de Thomas Williams pour franchir un bon retour de Vincent qui vient qu'il allait vite, hein. Laquer le demi de mêlée et un retour ensuite du troisième ligne qui vient effectuer ce grattage Giuliani pour sauver l'équipe italienne. Ouais, deux bonnes rentrées en troisième côté italien, la qualité Vincent Giuliani, c'est rapide, ça conteste vite et pourtant d'ailleurs, Thomas Williams à l'intérieur, c'est un duo qui fonctionne bien dans ce tournoi. Ouais, mais là, il a manqué. Je crois que Thomas Williams, même, il s'est blessé sur l'action. On le voit, il se tient la cuisse hein, et il va sortir. Il s'est peut-être claqué sur cette action. En tout cas, il ne va pas pouvoir continuer le jeu. Allez, il remanque à la jeunesse qui sourit côté gallois dans le public parce que sinon, ça peut faire grise mine. On a vu quelques anciens internationaux à côté assez inquiets de la production des Gallois cet après-midi, et même s'ils ont encore la possibilité, le temps dans cette rencontre avec Hardy, notamment qui rentre à la mêlée, Kieran Hardy, effectivement la blessure, Thomas Williams, c'est dur pour lui. Les anciens, les joueurs expérimentés qui sont en difficulté, on a vu peur sortir, on voit maintenant Thomas Williams. Et puis il va mettre du temps à sortir parce que là, il ne peut plus marcher. Ouais. Donc, la blessure à la cuisse est sérieuse. C'est Josh Adams qui veut venir aider son partenaire, un deuxième soyeur qui intervient pour que le jeu puisse rapidement reprendre. Les Gallois qui sont sur de l'avancée, qui sont sur un temps fort. Mais on voit effectivement là, il se fait mal au moment du plaquage. Mais ça a l'air d'être plus musculaire sur
le signe qu'il donnait à son soigneur qu'articulaire. On a vu la formidable attitude des deux joueurs casqués italiens. Les deux nouveaux entrants, bonne prise de balle par contre des Gallois. Attention de ne pas partir en touche. On avance côté Gallois, on avance, c'est pas mal fait. Le ballon qui devrait sortir pour Hardy qui est en train d'organiser ses avants pour aller jouer au pré. Percussion de Jenkins, capitaine. Allez, c'est peut-être une des dernières possibilités pour les Gallois de revenir et de gagner cette rencontre. Si marqué maintenant, il remettrait un petit peu de suspense dans ce match. Owen White, pourquoi pas. Allez, il y a un avantage en cours, il faut qu'il soit patient. Hein. Ils ont la liberté et l'opportunité du coup de prendre leur temps pour venir faire mal à cette défense italienne près de la ligne. Allez, on est un petit peu. Ça manque de surnombre. Allez, il y a la puissance quand même de relance, mais il est 1 contre 3. Il faut faire les choses collectivement près des lignes. On repart dans l'axe. Mann, est-ce qu'il s'est retourné? Est-ce qu'il va pouvoir marquer? On dirait qu'il est tenu dans l'embut. Il y aura un appel à la vidéo. Ouais. Je pense qu'il y aura un appel à la vidéo. On a l'impression c'est retourné, mais je suis pas sûr. Il y a peut-être un contact avec le sol. On va confier ça au corps arbitral au niveau de la vidéo. I have a player in front of me. I don't see clearly the grounding. Ouais. So for me, it's a no try, but have a look on it, please. Yeah. If there is no try, I will come back to the initial infringement, which is an offside. Ouais. Il a pas penalty kick for Wolves. On connaît l'importance de la décision de terrain. Okay, hein. So ouais. Là, il a dit no qu'il ne voulait pas essayer. On viendra sinon une pénalité, mais on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors sur cette image, bien, on n'aura pas grand chose. On l'a vu. Le ballon dessous. Dans un deuxième temps, il est clairement aplati. Ça va être laissé, peut-être laisser l'espoir pour les Gallois. Vérifier qu'il est sur la ligne. D'après moi, il est effectivement sur la ligne. Il n'est pas aplati avant. On va reconstituer ça avec plusieurs images. Et là, on voit. Porté, hein, on le voit. Et là, il pose le ballon. Ouais. Et il y a la main qui fait contact, donc il aplatit le ballon. A priori, je remarque. Il me semble à aucun moment que la main et le ballon ne sont déconnectés. Ouais. Autre chose, autre problématique. Ouais. Là, il y a un plaquage et il considère que le joueur gallois est en train de reprendre l'appui pour revenir et se projeter dans l'embut. Donc, il pourrait y avoir une pénalité contre le joueur gallois par rapport à ce double mouvement. Si c'est le cas, le Principality Stadium va gronder. Ah, je pense, oui. Parce que là, ils ont repris espoir. Les Gallois, les supporters des Diables Rouges. Parce que là, il y a le contest italien. Il est dans les mains des Italiens. Il aurait peut-être dû lâcher le ballon. Le joueur gallois. The ball has successfully been grounded. You can overrule your on-field decision. Là, the ball has been grounded. C'est Ilodi qui est dans le but. C'était pas Mann, c'était Ilodi, le talonneur. Allez, on va laisser finalement sur l'essai qui sera accordé. On considère que le mouvement gallois était légitime et que derrière le ballon a bien été aplati, comme le montre l'image. Et donc ce sera le premier essai pour le pays de Galles qui ouvre le score. Allez, on reprend espoir ici du côté du Principality Stadium avec cet essai du talonneur Ilodi. Le voilà avec son numéro 2. Et pourquoi pas la fureur galloise dans cette fin de rencontre. On a vu qu'ils sont plus dangereux depuis le retour des vestiaires, les Gallois. Transformation importante à suivre pour Costello. Elle est réussie, 18 à 7. 11 points à remonter pour le Pays de Galles. On va vivre une fin de match très intéressante, Jérôme. On peut leur faire confiance pour mettre de la folie, en tout cas. Essayez jusqu'au bout. Il va falloir qu'ils en trouvent. Et les dernières 5-6 minutes peut leur donner de la confiance. Ils ont retrouvé de l'avancée, ils ont retrouvé des espaces. Les Italiens n'ont plus un même rideau défensif aussi efficace et qu'ils ne l'ont eu en première période. Il y a quelques brèches autour des zones de ruck. Là, voilà, on se laisse un petit peu piéger par les... Et on est pénalisé. Par les gestes des Gallois sur des feintes de frappe. Et on vient remettre des fautes, remettre de l'indiscipline. Avec ce plaquage haut de la part du talonneur Lucchesi, remplaçant Lucchesi. Allez, ça relance complètement cette fin de rencontre. Un peu plus de quart d'heure à jouer. Et les Gallois, eh bien, ils croient à nouveau. Le public du Principality qui redonne de la voix. Et le marqueur d'essai au lancer, il le dit, bonne déviation pour Costello. Quand c'est au milieu de terrain, c'est bien fait. Pourquoi pas Bereffel. Elodie à nouveau, tête baissée. On avance côté gallois.
Costello. Bien plaqué. Bien plaqué. Un bon contest derrière, même si le déblayage gallois intervient en suivant. Là, il y a des surnoms extérieurs. Allez, à moins que Antoine Georges Nord se reprend à l'intérieur. Wendy qui avance toujours. Hein. Un coup sur l'entrée. Pénalité à suivre à nouveau. Beaucoup de fautes à la côté italien. Trop de fautes. Ouais. Trop de fautes. Et toujours du même joueur. Hein. C'est encore le talonneur remplaçant qui vient consécutivement faire une deuxième pénalité. Il va falloir vite qu'il se remette dans la discipline parce qu'il met en difficulté son équipe. Et en sachant que, étant donné que les Italiens, pour le moment, ne contestent aucune touche sur les lancers gallois, bien, on peut penser qu'il va y avoir une initiative automatiquement galloise à l'entrée des 22 mètres italiens, puisqu'ils abandonnent totalement l'idée de venir lutter en l'air, préférant essayer de bloquer complètement la construction du môle lorsque le ballon est ramené sur la structure. Pour une fois, ils ont essayé, et bien leur en a pris. Bien leur en a pris, parce que derrière, une mauvaise transmission et ballon récupéré sur en avant. C'est la première fois qu'ils viennent contester. Et stratégiquement, c'est plutôt bien fait puisque les Gallois ne s'y attendaient sûrement pas. Ouais, en avant du tout jeune Mackenzie Martin pour les Gallois, mais bien sûr pour les Italiens qui ont besoin de retrouver un petit peu de sérénité. Pas s'affoler, ils savent qu'ils ont leur destin entre leurs mains, les Italiens. We play. Si près d'une performance remarquable, en tout cas on la répète, ce serait la meilleure depuis leur arrivée dans le tournoi. C'était en l'an 2000. C'était venu ces Italiens. D'abord, ils avaient battu l'équipe de France en 1997, ils avaient battu les Irlandais, les Écossais, donc ils avaient tout prétendu à leur entrée dans le tournoi. Avec une formidable génération, on se rappelle des. Notamment Diego Dominguez, Alessandro Troncon. Massimo Giovanelli, Sandro Stoica, pas mal de joueurs qui sont passés également par le championnat français. Et les Gallois qui ont toujours pas coaché leur première ligne. Ah, ils sont pas très confiants. Hein, non, et ça tient. Et pour l'instant, ça leur. Ouais. C'est bien parce que leur première ligne est moins pénalisée face à la première ligne entrante italienne. Et Warren Gatland sait que malheureusement, il n'a pas trop le choix. Parce qu'il a peu de vécu et peu d'expérience sur la première ligne et qu'il a mis sur le banc de touche. Allez, bon départ là de la part de Vincent pour Garbisi pour les Italiens. Break, c'est bien fait, il va prendre l'intervalle, mais son ballon au sol et une bonne avancée de la part des Italiens. Garbisi un petit peu arrêté cette fois-ci, Meloncello qui va à la percussion sur George North. Elle va repartir sur les avant. Percussion de Zillo qui. Là, il faudra passer par du jeu au pied. Par du pied automatiquement, il va falloir s'appliquer du côté du demi-mêlée italien. Dès qu'on perd la vitesse, on passe par du jeu au pied. Allez. À la récupération sur la lutte aérienne, Winnet Lainag. C'est Winnet pour l'instant qui s'impose. Ils auront été plus efficaces sur le jeu aérien, les Gallois, sur cette seconde période. Attention, ce petit jeu au pied de Costello par-dessus, à la récupération, on va se battre, il pense qu'il y a un avant italien, il n'a pas été signalé, en tout cas, de toute façon, les Gallois et Ballon vont revenir sur une pénalité. Apparemment, il y avait un joueur qui était joueur devant le botteur. Okay. Alors, souvent, dans des situations comme ça, c'est un petit peu le demi-mêlée. On va voir si c'est Hardy. Ouais, c'est lui. In front of the kicker. Me semble-t-il. Ouais, c'est Hardy. C'est souvent le demi-mêlée. On voit l'œil de l'ancien demi-mêlée. Genre. Ouais, hein. Vous l'avez jamais fait, vous? Non. Mais je n'allais pas suffisamment vite pour pouvoir partir de bas. Hein. Ouais. Non, mais c'est malheureusement. C'est un réflexe. Hein. On a l'impression que de ce coup de pied, il va y avoir automatiquement. Un joueur qui est derrière le botteur ou le botteur qui va nous permettre de nous remettre en jeu, et donc on anticipe un petit peu, mais la technologie aujourd'hui, les caméras, l'arbitre vidéo fait que il y a une lecture automatique et que les arbitres sont très vigilants à ça, et ça donne une opportunité de reprendre la marque pour l'équipe d'Italie et de mettre les Italiens à l'abri, à deux essais transformés. C'est ça, ouais. Petite faute, grosse conséquence, parce que si Garbisi réussit cette pénalité, effectivement, on l'a marqué deux fois transformé pour les Gallois.
Il était un peu écrasé, mais ça rentre. Il est tendu, mais ça passe. Ça passe pour les Italiens. 21 à 7, 14 points d'avance pour la Squadra Azzurra. Évidemment, du côté des Centurions romains, qui sont fait le déplacement cet après-midi à Cardiff, on y croit plus que jamais. Garbisi qui a eu la tête froide sur ce coup de pied et le pied chaud. Bien fait de la part de l'ouverture de Toulon. Récupération Pagny, l'auteur du deuxième essai, qui a un long coup de pied, très bon coup de pied. Bon pied gauche. Hein. Ouais. Bon pied gauche, belle sortie de camp. Et aussi, un joueur intéressant, 21 ans, il est rapide, il a un bon jeu au pied, il peut jouer derrière. Non, mais l'Italie, à travers de ce tournoi, peut construire. Ils auront une tournée estivale qui va aussi leur permettre, sans trop de pression, même s'ils auront une tête, je crois, contre l'Australie. Tonga, Samoa, là. Ouais, et puis un petit final au Japon. Mais ça peut leur permettre aussi d'éprouver leurs jeunes joueurs pour leur donner encore plus d'expérience sur des rubis différents. Oh, l'interception limite de Lainagle. Ça s'est joué à rien. Il avait bien lu par contre l'initiative galloise qui voulait venir chercher complètement l'extérieur avec Costello qui cherchait d'ailleurs. Ah ouais, effectivement, il regrette Lainagle. En attendant, c'est l'occasion pour vous de jouer pour la dernière fois, dernière chance pour vous de jouer pendant cette rencontre Pays de Galles, Italie, avec cette très belle somme de 50 000 euros en jeu. Tardez plus, vous envoyez rugby par SMS au 7 3003. Vous pouvez vous appeler au 34 35. Bonne chance à vous. 50 000 euros, c'est pas rien. Pénalité, la chance, elle tourne côté italien. Pénalité à suivre une fois de plus au sol. Les Italiens qui récupèrent une pénalité, ils auraient été remarquables dans ce domaine. Un gros travail défensif, une très bonne lecture de Brex qui intervient en pointe pour plaquer d'ailleurs qui était censé amener le surnombre dans la ligne d'attaque galloise. Et Garbisi, premier sur ses appuis, qui vient mettre les mains sur le ballon, tenu au sol par le 3 carré du Pays de Galles. Et on change de buteur cette fois-ci un peu plus lointain. C'est Martin Pajarello qui va buter. On revoit cette action avec l'intervention de Brex. Et de suite, bien, un plaquage vraiment positif de Brex, l'intervention de Garbisi et le premier soutien gallois qui était déjà passé. Donc il y a un déblayage inefficace sur le demi d'ouverture italien, offrant cette opportunité au demi de mêlée remplaçant de creuser un petit peu d'écart pour un goal average qui est de plus en plus positif dans le cadre d'une égalité avec les Écossais et les Français. Mais pour l'instant, il en manque encore pour que les Italiens grappillent la troisième place. L'enfant de Lise Jourdain, Martin Pajarello, pour cette pénalité passée par un Stade Toulousain aujourd'hui du mêlée à Lyon. Elle est lointaine, elle est bien frappée, parfaitement frappée. Elle va passer entre les poteaux. Superbe. Superbe pénalité de Martin Pajarello. Je trouve, comme les Italiens, beaucoup de plaisir forcément au sein de la Squadra Azzurra. On a fait rentrer tout le banc, tout ce qui est resté au niveau du banc, l'intégralité de la première ligne côté Pays de Galles et le demi d'ouverture remplaçant Johan Lloyd à la place de Costello. Allez, ils peuvent aller chercher, pourquoi pas, maintenant les Italiens qui sont sûrs de leur victoire, pourquoi pas tenter d'aller chercher un bonus défensif, aller marquer deux fois. Deux fois, c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Mais bon, ils peuvent se lancer à l'abordage. Je ne vais pas nourrir de regrets. Je pense qu'ils sont plus partis pour rester sur de la gestion. Sinon, ils auraient peut-être, dès la dernière pénalité, choisi plutôt la touche que de prendre le but. Et là, pour l'instant, on vient travailler la sortie de camp avec un jeu au pied haut sur Lloyd. Ouais, il saute complètement à côté du ballon et qui laisse une récupération italienne. Même si tout le monde va partir en touche et que ce sera un lancé pour le Pays de Galles. Allez, on repart sur une touche. Un ballon qui avait été récupéré par Zuliani. Et là, on voit effectivement les jeunes joueurs gallois assez expérimentés. Lloyd, Mathias O'Connor, la première ligne toute fraîche côté gallois. Ce ballon qui est gardé par Evan Lloyd. Le numéro 8 reconverti au talonnage, il faut jouer là côté gallois. Allez, sur les extérieurs, Grady. Grady, il aurait mis de l'avancée quand même. Ouais, les galloises. Ouais. Lloyd sur l'extérieur. Et Winnet, il s'en sort bien, c'est bien fait malheureusement. Transmission difficile pour
Rio Dyer. On repart sur le touche pour les touches ou mêlées, puisqu'il y a eu un en avant. Donc, au choix. Et Lamaro va plutôt préférer une mêlée. Ouais, pas étonnant. Une touche. Ouais. Les derniers entrants côté italien, la sortie de Nicolo Cannone. Et aussi la sortie de Ioane qui aura fait un très bon match, surtout dans son rôle de passeur décisif, même s'il a aussi marqué un essai, mais il a été vraiment très intéressant sur derrière les passes de Brex, des passes de Garbici pour vraiment faire beaucoup de mal à la défense galloise, alors qu'il me semble que c'est Brex qui va être élu homme du match. Ouais, exactement, bien vu. Joueur d'origine argentine. Il avait déjà été l'homme des matchs la semaine dernière contre l'Écosse. Un doublé pour ce joueur qui, vous le disiez, a parfois des soucis en défense, mais qui est un point d'ancrage parfait pour les N3 quarts italiennes. Ce n'est pas trop des soucis, c'est surtout qu'il est tellement généreux que parfois eh bien, il en oublie la construction collective de la défense. Aïe, là par contre, c'est les Italiens qui se font piéger. Ah, ils ont... pilier gauche qui est venu tourner autour de son pilier droit, changer ses appuis et pousser en travers. Il a voulu se faire plaisir un peu, de toute façon. Et du coup, il a été pénalisé. Ah, et peut-être pour l'honneur du pays de Galles. On aimerait que ce rugby gallois revienne à... Ah, qu'il finisse au moins sur une bonne note. Ah, c'est plus un dernier essai, mais... Allez, prise de balle de Wainwright. On va se regrouper. One stop. On va essayer de faire gronder une dernière fois. Le public de Cardiff. Ouais, l'avancée est bien contenue. Hein. Du côté des Gallois, il faut l'extraire. C'est demandé par l'arbitre. Allez, Grady au milieu, forcément. Il avance. Ballon au sol. Et là, il faut revenir. Ouais, c'est bien vu de la part. Du troisième ligne remplaçant, parce que vraiment c'était pas le bon côté. Là par contre le renversement est bon, il faut que ça sorte vite sur la gauche. Allez, on s'est mis à la faute côté de l'Italie, c'est pas sifflé. Martins, il faut que ça sorte vite. Ouais, si, l'avantage est en cours. Hardy. Advantage offside. Peut-être le deuxième essai gallois là, qui est plus proche. Allez, faut le sortir à gauche. À gauche, il y a du monde. Allez, à gauche, essai gagné. Pour l'instant, on a plutôt la tête en bas. Allez, tous ensemble portés par ses coéquipiers, ce qu'il a marqué. Le ballon parti en avant. Hein. Il y en a là-bas en gallois. Dans un but, on revient de pénalité. Allez, pour l'honneur du pays de Galles, il faudrait un essai supplémentaire. Et ne serait-ce que pour Ryan Gatland, qui aura beaucoup apporté au rugby gallois, et c'est vrai que c'est difficile pour lui. Oui, puis c'est pas complètement fini. Après, Ryan Gatland savait pertinemment qu'il avait une équipe qui serait jeune. Ils avaient clairement identifié et dit qu'ils reconstruisaient pour les 4 ans à venir, en perspective d'une prochaine Coupe du Monde. Mais eh bien, le chantier, il est là. Mais pour l'instant, les Gallois ne lâchent rien. Mais les Italiens non plus, avec une énorme défense, une nouvelle fois, de Limoncello. Qui interviennent très rapidement sur l'homme, et j'espère que c'est pas le cas, mais qu'il y a Georges Norse qui se tord de douleur au sort. Je voudrais pas que sa dernière sélection il se soit blessé, mais malheureusement ça en prend le chemin. Allez, les Gallois qui essayent de continuer dans l'avancée pour les deux dernières minutes avec une nouvelle faute italienne. Ouais, effectivement, il souffre. Georges Norse, bon départ de Grady. On ramasse ce ballon, peut-être là maintenant pour Martin. Percussion d'O'Connor. Allez, les Gallois, ils méritent cet essai. Avec peut-être Wainwright, peut-être qu'il a franchi l'embut. Non, le ballon est ressorti à quelques centimètres de l'embut italien. Allez, il faut être patient. Mais ils sont à 14, les Gallois. Nord, c'est toujours au chevet. C'est plutôt le médecin au chevet de l'or. Ça a essayé. Et c'est Gallois pour l'honneur. On va voir quel joueur a inscrit cet essai. Et bien c'est le deuxième lien du Racing, en l'occurrence au Willy Hollands, qui marque cet essai, qui redonne un petit peu de baume au cœur. Oui, l'espoir, il est peut-être là pour les Gallois. Bon, la défaite aujourd'hui, elle est indiscutable, incontestable. Ouais. Les Italiens ont vraiment dominé leur sujet, maîtrisé le début de la rencontre, éteint un petit peu
L'esprit gallois, l'esprit de revanche ou de rébellion des Gallois sur les 20 premières minutes, ils étaient revenus un peu dans le match. Et puis deux belles interventions des Italiens sur leur construction, sur leur animation offensive, leur a permis de faire la différence. Et du côté par contre, eh bien, des Gallois, eh bien, c'est au travers de Mason Grady, au travers de joueurs comme ça qu'il faut avoir de l'espoir pour l'avenir. Et l'ovation du public du Principality pour Georges Norse qui malheureusement sort blessé au bout de cette lutte et de ce combat acharné qu'il aura livré tout au long de ce match et dans sa carrière. C'est vrai qu'il a énormément pesé sur les défenses adverses et qu'il a été royal lors des tournées des Lions, lors des différentes Coupes du Monde où il avait atteint deux fois le niveau des demi-finales avec l'équipe du Pays de Galles, les deux grands chelems, les cinq tournois destination. C'est un énorme joueur qui aujourd'hui tire sa révérence avec malheureusement une défaite de son équipe, une cuillère du bois, et la victoire de l'équipe d'Italie qui se dessine maintenant, qui est automatiquement jouée, même si les Gallois vont essayer de marquer ou d'avoir une dernière offensive pour réduire l'écart au score. Allez, dernier ballon, dernière action effectivement de cette rencontre avec un départ au ras de la part d'Hardy qui est bien pris par les Italiens. Ils vont le jouer jusqu'au bout forcément les Gallois. Attention à ce ballon qui est sorti définitivement. Défait Jenkins, le jeune capitaine de 21 ans qui aura lui aussi lutté jusqu'au bout. Ah, il faut inventer quelque chose là pour Lloyd qui reprend l'intérieur. Le jeu au pied. À la retombée, Grady est tout seul. Est-ce qu'il récupère ce ballon? Pourquoi pas? Oh, quel magnifique travail de Grady! Il va aller marquer jusqu'au bout. Magnifique, superbe essai de Mason Grady. Et bien, les Gallois qui font honneur jusqu'au bout à leur maillot. Superbe, c'est bien fait. Il est là, l'espoir du Pays de Galles sur ses joueurs, que sont Jenkins, que sont Grady, que sont Axelman, que sont aussi le troisième ligne, le jeune troisième ligne, Martin McKenzie. Et voilà, c'est l'espoir, c'est la construction qu'il faut. Il faut qu'ils trouvent pour que l'avenir du rugby gallois redevienne l'équipe, le pays du rugby que l'on a toujours connu. Il y a beaucoup d'inquiétudes au travers de cette équipe. Mais en tout cas, le cœur, l'âme est là. Et dans un stade comme le Principality Stadium, qui est un formidable stade, qu'on invite presque tous les joueurs de rugby de venir vivre un jour cette ambiance et une hymne. En tout cas, félicitations aux Gallois et puis surtout, félicitations quand même aux vainqueurs du jour, les Italiens qui auront réalisé un superbe tournoi et qui méritent bien aussi une progression par rapport à tout ce qu'ils ont montré tout au long de ce tournoi. Ils méritent cette victoire. Maintenant, pour le classement, eh bien, on va attendre les prochains matchs de l'après-midi. Ah, les Italiens, effectivement, qui se retrouvent à 11 points au classement, c'est leur meilleur résultat. Même s'ils risquent de finir 5e en fonction des résultats a priori, mais c'est en tout cas leur meilleur résultat depuis leur entrée dans le tournoi depuis 2000. Deux victoires, un match nul magnifique contre l'équipe de France et cette équipe d'Italie en progrès constant sous la houlette de Gonzalo Cossala. L'année dernière, ils avaient déjà fait des bons matchs, ils n'avaient pas été payés en retour. Cette année, eh bien, ils ont su prendre les occasions, cette équipe d'Italie. Superbe résultat de l'Italie qui s'impose de 3 petits points finalement grâce à ce retour des Gallois. Ils avaient fini dernier depuis 2015, les Italiens. Chaque année, ils étaient à la remorque, j'allais dire. Et cette fois-ci, eh bien, ils peuvent se congratuler. On les voit, 21-24, victoire de l'Italie ici au Principality Stadium. Merci, messieurs. On a vécu quand même une belle après-midi. Les magnifique. Italiens ont tenu le match pendant un petit moment et puis ils ont su résister jusqu'au bout. 20.